Je vérifie même pas les détails techniques, pas bien, c'est pas pro, je lance déjà, je suis déchaîné parce que je suis en retard. Bonjour à toutes et toutes. Enfin, en retard, il n'y a pas vraiment d'heure, on est le week-end, on est en temps de repos, mais je suis deg d'avoir été décalé, j'ai eu des abrutis qui ont fait encore des engins pyrotechniques de nuit, ça m'a réveillé. Ah ah. Pardon, comme vous pouvez l'entendre, je suis encore enrhumé. Alors, ça n'a rien à voir avec les douleurs d'hier, Dieu merci. Mais il faut que je fasse attention. Tiens, d'ailleurs, je vais pudiquement fermer le micro le temps de l'intro pour me moucher. Oh mon dieu, cette intro tout fait tout flemme. Ah, me rappelle que j'ai pas pris mon périphérique de jeu. Je sais pas bien. Bah alors pourquoi j'étais pas en plein écran? Pas bien. Oui, continuez. Alors par contre, il faudra pas que je laisse sur mon écran secondaire l'OBS au premier plan, mais le logiciel de chat. Sans quoi, j'aurai mal de chien à converser avec vous. Ah, et puis il faudra peut-être que je mette le bon plan de caméra. Attendez, je ne suis plus sûr de rien. Pourquoi ma caméra semble éteinte? C'est pas normal ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Minute papillon, inspection du matos. Oh! Ah, yop, rapide de Roman. Bonjour, merci. Bah, j'espère que vous allez bien. Bisous tout plein. Je démarre avec un problème technique. Je suis désolé. Pourquoi elle me lâche ma webcam? Elle marchait très bien hier. Attendez, désactiver, je réactive. Oh, coucou. Ah! Ah non! La webcam fait sa vilaine. Bah! Alors, ça, par contre, c'est bizarre. Je réactive. Ça a l'air de tenir la charge quand je suis en plein écran. Coucou, coucou, bonjour. Oula, j'ai d'ailleurs des citations qui sont tellement longues avec cette prise de caractère que du coup on n'en a que l'extrait central. Ça ne veut plus rien dire. Faudra que je corrige ça. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'étais décalé avec des abrutis qui ont improvisé un feu d'artifice dans mon quartier en pleine nuit. Soupir, c'est pas comme si c'était la deuxième fois dans la semaine. Attendez, la caméra tient quand je suis en plein écran. Faut dire que la scène-là, il n'y a pas grand-chose. Par contre, je rajoute le jeu, elle me fait un caca nerveux. La question est pourquoi? Ça bouffe pas tant de ressources que ça. Là, je zappe, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air de tenir. Ou alors c'est moi avec le câble de la souris, je tire sur le câble USB de la webcam, mais elle se déconnecte. Elle est même pas tendue, ma webcam, elle est relaxe, elle est posée. Bizarre. Bon, bah, pourvu que ça tienne, pourvu que ça dure, comme disait un regretté Jean-Yves Lafesse. Oula, vous êtes nombreux, vous êtes tous là sur le pont. Bonjour Fun Fan. Ouah, bonjour Bastos, bonjour Torota. Oh là là, incroyable. Ben j'espère que vous allez tous bien. Voilà, et là je mets mon jeu en plein écran. Oui, heureusement que j'ai une diode de contrôle sur ma webcam qui permet de vérifier qu'elle est bien en train d'émettre, d'envoyer le signal sur OBS. Donc je continue mon périple en Afrique. Tac 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 tac. Ah, t'as eu des problèmes techniques toi aussi, Torota? Je suis en train de lire le message de Bastos. Ah, bah, décidément. Une malédiction pour ce printemps. Attendez, c'est vrai que la souris, je la ferais peut-être bien passer par là. Ça serait peut-être mieux niveau confort du bras. Ça m'évite de tirer. Je faisais quoi? J'en étais où? J'avais une mission là dans le carnet. Ah non, se rendre là où il est possible de décrocher une mission. Ok, je suis totalement libre de ma prise de décision.
Attendez, je vais déjà. Hey. Le réalisme, j'aime bien. Faut que je regarde la carte au soleil, hein, sinon je vois pas grand chose. Ça, c'est vachement bien fait. Ah, je suis à côté de la ville, c'est tellement tentant d'accepter une mission de la ville. Je vais me lancer là-dedans. Ouch. Ah, t'aurais eu un problème sur ta box. Ah oui, vous parlez par rapport à hier et la session camion. Et oui. Tu pouvais pas être sur Discord en vocal et dans le jeu de camion simultanément. Oui, c'est vrai que c'était bizarre. Ça me revient. Alors tu déconnes pas. La tension est palpable. Ah, j'avais déjà le choix des deux camps. Je me souvenais plus que j'avais le choix des deux camps au niveau des missions. Je crois que c'était successivement l'un et puis l'autre. Tiens, bizarre. Bien, pas bien. On confie le matos. Oui, mais merci de me laisser passer, monsieur le mercenaire, là. Enfin, vigie mercenaire. Ma santé, j'en suis à combien? Ah, je suis quasiment au taquet. D'ailleurs, attends, je peux pas me soigner? Non, je peux pas. Sauvegarde rapide. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Regarde ce reportage à la télé. Les images d'enfants qui meurent de dysenterie dans le corps. C'est trop triste. Tu sais, quand les gens verront ces images, ils seront tout émus. Ils vont envoyer un paquet. Celle n'ira jamais à ces pauvres idiots. Si, peut-être. Mais ça doit passer par nous d'abord. On sait comment s'en servir. Oui, bien sûr. Horrible. Tiens, pourquoi ils ont barricadé le bureau? Ah non, c'était la pièce là, pardon. J'ai rien dit. Oui, parce qu'ils étaient exposés au niveau... Regardez qui est là, mon arme secrète. Des tirs. Si vous cherchez un job, nous en avons un pour vous. Vas-y, dis-lui. Nous avons établi... Non, j'ai établi. Moi, Kwasi. Oui, l'UFLL fait chanter nos amis de l'Ouest contre du matériel médical. C'est dégueulasse. Les voisins ont acheté du gaz naturel. Le train qui le transporte est bloqué au dépôt. En faisant sauter les wagons-citernes, on annule la transaction. La gare de triage se trouve environ à 1 mile à l'ouest de Pala, en bordure du désert. Ce que nous voulons, c'est que vous filiez à la gare de triage et que vous détruisiez ces wagons-citernes. Voilà le problème. Les citernes sont résistantes. Des tirs d'armes légères ne les transperceront pas. Il faut aller poser des explosifs. Plus de wagons et hop, plus de médicaments. Oh, c'est trop triste. Ça va être un gros feu d'artifice. C'est facile en fait, aller à la gare de triage et poser des explosifs sur ces citernes. Ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a 20 mecs surarmés sur place. Et ça va donner l'objet et lieu d'une bataille, je m'en souviens encore. Attention, c'est un job non officiel, alors tout le monde est un ennemi, même à l'APF. Allélélélé. Non, j'ai mes sauvegardes rapides. Je vais pas. Et là, normalement, je suis pas censé être en danger. Alors, attends, ma bagnole était là-bas. Allons, bon, il y en a un qui me contacte déjà. Et voilà, c'est moi, Warren. Viens me rejoindre à l'est de la gare de triage. Ah, intéressant. Oui, ça va mieux. Merci, Christella, de poser la question. Là, je me sens pas spécialement claqué. Faudrait aussi, j'ai bien dormi, mais en deux fois, à cause des négos du quartier. Enfin, bon, bref, des sans-gênes, on va les appeler comme ça. Mais je me mouche encore là, d'où ma prise d'antenne où je mets encore. Mais c'est rien comparé où hier j'étais vraiment pas bien quoi. Je vous avais dit que vers les 13h, quand j'ai rendu mon antenne à Funfan. À un moment, j'avais même une envie de vomir, donc ça tournait mal. Et puis c'est passé.
Non, mais j'avais une poussière, une merdouille qui s'est coincée au fond du sinus la veille, et puis... L'horreur, quoi. L'horreur. Ah, c'est vraiment proche, les deux... Les deux objectifs sont très proches. Il faut pas que j'oublie que je suis en terrain hostile. Parce que là, j'aurais tendance à me barrer à fond, à prendre la route la plus... Mais il y a des points de contrôle avec des mecs qui vont m'allumer. Oh, c'est beau, j'adore. Les effets de lumière, l'ambiance, elle est extra. Et voilà, je me fais allumer. Aïe, 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 aïe. Je sais même plus ce que j'ai. Ah. Oui, bah... Oh merde, c'est le temps pour me couvrir. Dégage de là. Il va bien. Bon, il est en train de me personnaliser le radiateur, lui. Il est là. Ah merde. Je l'ai eu. Vache, il fait mal, salopard. C'est quoi ma touche de soin? C'est celle-là, ok. Mal, salopard. Un petit cadeau peut-être. Merde, comment je fais pour lancer les grenades? Je sais plus. Me trompe de touche. Je suis en stress. Évidemment, mon truc ne fonctionne plus, c'est drôle. Ah non, j'en ai plus en fait. Ah, chiotte. Ouais, bah je suis mort. Non, mais c'est... Hey, ça va pas mon histoire parce que je suis pas prêt à la bataille en fait. Mon matos, c'est pas dispo. Il faudrait que je sorte de la ville et que j'aille dans une armurerie la plus proche. Parce que là, je peux même pas faire la fête au point de contrôle. C'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Oui, on est d'accord, ma mission a été validée. Enfin, je crois, je sais plus. Attends, j'ai un doute. Je sais plus, merde. Je crois que j'ai prêché par excès de confiance. Oui, vivement la prochaine session de camion. Je t'adore, Christella, c'est bien. Bah, j'avoue... Oui, non, c'est ça, c'est le même dialogue. J'ai pas. C'était avant de valider la mission. Ils vont envoyer un paquet de mines. Regardez, mon arme secrète. Mais je finis par me dire, il faudrait qu'on s'organise entre nous pour qu'on le fasse respectivement une fois par semaine sur chacune de nos chaînes. Un coup Torota, un coup Bastos, un coup Christella, un coup moi. Ce serait peut-être pas mal de faire tourner le... Le transport est bloqué au dépôt. En faisant sauter les wagons citernes, on annule la transaction. La gare de triage se trouve environ à 1 mile à l'ouest de Pala, en bordure du désert. Ce que nous voulons, c'est que vous filiez à la gare de triage et que vous détruisiez ces wagons citernes. Voilà le problème. Les citernes sont résistantes. Des tirs d'armes légères ne les transperceront pas. Il faut aller poser des explosifs. Plus de wagons et hop, plus de médicaments. Non, c'est trop triste. C'est facile en fait. Aller à la gare de triage et poser des explosifs sur ces citernes. Et vous savez quoi? Je pense à une organisation telle que le fait si bien FunFan. C'est-à-dire d'ouvrir un groupe sur Discord où ce serait en gros les organisateurs de sessions camions. Et rien que nous quatre et peut-être d'autres qui voudraient éventuellement organiser des sessions camions. À tour de rôle, on se dit, tiens, tel week-end, c'est moi qui vais héberger aussi bien. Bah, en fait, FunFan, je mets en lumière ton organisation sur Discord. Tu sais, quand tu veux préparer un jeu avec plusieurs personnes,
T'as la bonne idée de préparer d'ouvrir un groupe sur Discord exprès en invitant les personnes concernées au jeu en question. Et là, ce à quoi je suis en train de penser, c'est au niveau des sessions camions, que ce soit l'Amérique ou l'Europe, c'est pas le souci. On s'est précisé dans un deuxième temps. Mais je pense que rien que nous quatre, avec Christella, Torota, Bastos et moi-même, et Nayone, évidemment, Nayone, il serait l'hébergeur du serveur quasiment à tous les coups. À tour de rôle, dans ce groupe-là, on se dit, tiens, le week-end-là, c'est moi qui reçois. C'est-à-dire, j'émettrai le signal depuis ma chaîne Twitch. Et on se retrouverait tous sur le serveur camion de l'intéressé. Vous voyez ? Je pense que ce serait pas mal pour s'organiser. Je pense que c'est un truc à creuser. Enfin, on verra ça entre nous sur Discord. Mais... Attention. Pas forcément. Tout le monde est un ennemi, même à l'APL. Tu vas pas forcément te coltiner Fun Van du camion tous les week-ends. Parce que t'es pas forcément directement rattaché à... Ah oui, en plus des jours fériés. D'être forcément, comment dire... affecté par tous les canaux. Bon, je sais quand c'est moi, comme t'es mon modérateur. Pour ce qui est des autres... Hey, attendez, voilà, que je fasse le coup du téléphone. Faut absolument que je sauvegarde derrière, parce que je me recoltine tous les dialogues. Viens me rejoindre à l'est de la gare de triage. Mais bon, je propose une organisation. Oui, alors, attendez, sauvegarde. Merde. Attends, je me suis trompé de route, moi. J'étais sorti par l'autre intersection. Voilà. Donc, du coup... D'ailleurs, je me souviens plus, mais la ville elle-même... Ah non, elle a pas d'armurerie, là. Ah, mais le bar de Mike... Il a une armurerie. Le bar de Mike en a une. Parce que sinon, sur la... Ouais, mais il y a des points de contrôle. Je vais me faire allumer. Il y a une autre armurerie. Bon, je pense que le bar de Mike serait mieux. Je vais encore passer un point de contrôle et me faire allumer, c'est pas possible. Merde, je m'arrête là où il y a les mecs qui sont en armes. Et du coup, j'ai pas pris la bonne route. Je crois qu'ils m'ont poursuivi en bagnole. Je suis juste un peu mort. Ah merde, boum. Est-ce que je peux me soigner au volant? Oui. Effectivement, je n'ai plus de... Ah oui. Évidemment, il a tamponné la bagnole, donc du coup, j'étais quick. Bon, c'était une mauvaise idée. Je garde mes filles aujourd'hui, je profite. Ah bah, c'est bien, cousin. C'est bien. Oh! Fun.
Ah là 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 là. Ah, bonjour Twinsen. Il en faut pour tout le monde. Attends, est-ce que... D'ailleurs... Mais oui, attendez, le bar de Miles. Ah, je peux peut-être me tourner par là que je suis bête. Mais oui. On va dire que c'est le périph de la ville. Eh oui. Ah, je me suis compliqué la vie pour rien. Je suis resté focalisé sur le barrage. Et les parpaings posés au bon milieu de la voie, mais c'est vrai qu'il y avait une route de contournement. Ah bah voilà, là je vais me refaire du matos chez Max. Il y a une armurerie. Ah oui, pour revenir, c'est toujours sport. Voilà. Coucou. Coucou. Alors, l'armure. Je sais pas si... Oui, j'aurai de nouvelles. Je referai une mission armurée tout à l'heure, mais... Vous avez assez... Ouais. Je sais même plus... J'ai quoi j'ai... Ah, j'ai 69 diamants. Ah, je savais pas que j'étais aussi riche. Ah ouais, je peux avoir un autre... Attends, j'avais pas acheté un fusil de snipe, moi. Bah... Ah si, j'avais le M... Oui, 1903. Je peux avoir un nouveau snipe qui est le Dragunov. Ah oui, je veux bien. Ah, lance-grenade. Ah, c'est la violence. Fusil hypodermique. Je préfère presque le fusil hypodermique au Dragunov. Parce que en top alors c'est vrai qu'il tire pas très loin, mais l'idée d'endormir l'ennemi sans alerter les autres, c'est un avantage énorme. En infiltration, c'est juste génial. Je vais vous lire dans le chat hein. Pardon, j'ai vu que tu m'avais interpellé, Funfan. L'idée d'endormir les ennemis, c'est un régal. Ah, puis je peux avoir le lance-flamme, mais de qualité, pour le coup. Pas celui de fortune que j'ai, qui est défaillant. Alors, bah, c'est déjà pas mal. Bandoulière, fusil de chasse, ceinture de pistolet. Ça peut aider. Ah merde, ma webcam qui a lâché. Ah, ma webcam qui a fait sa vilaine. Kit moyen pour les seringues. Ah ouais, c'est cool. Ah, je veux bien payer tout ça. Nouvelle amélioration disponible. Tu m'étonnes avec tout le fric que je viens de claquer. Alors, bonjour Nayone. Alors, Funfan, tu me dis, à un certain moment, je dois partir et revenir dans l'après-midi. Mais je sais pas quand. Oui, c'est une raison personnelle. Mais il y a aucun souci, Funfan. Il y a aucun souci. Torata, tu me dis. D'ailleurs, tu ne voulais pas faire une session de golf aussi? Ah, j'aimerais bien. Oui, t'as eu la gentillesse de faire acquisition de Golf Around. Eh ben, surtout. Alors, on pourrait déjà en faire entre nous. Peut-être que Twinsen serait partant cet après-midi. Et Edgey aussi. Parce que j'avais dit Lego World, mais rien ne nous empêche de faire les deux cet après-midi. Justement, une fois n'est pas coutume, à la place du camion et de Minecraft. Pour changer un peu. Comme en plus c'est un week-end où à la base j'étais censé être absent. Ça permet de casser la routine.
Ouais, on pourrait peut-être se faire cet après-midi avec grand plaisir du golf. Le mini-golf que j'adore. Le golf around. Alors moi, il me faudra des explosifs pour la mission de la citerne à faire péter. Oh, ce serait génial d'endormir les gars au... Oh, je la sens trop bien, cette mission, vue comme ça. Parce que j'ai des souvenirs de la dernière fois... Attends, lequel des deux est le bon fusil? Celui-là, c'est le snipe et celui-là, c'est l'hypodermique? Merde, je sais plus. Ah, ce serait l'un ou l'autre? Ah bah merde alors. Attendez. Tant pis pour la webcam, hein, c'est pas grave, je la remettrai au prochain jeu, je vais pas me battre avec. Aujourd'hui, elle a décidé d'être capricieuse, ça arrive. Attends, oui, non, mais ça... Ah oui, c'est parce que... Attends, est-ce que je peux... Ce serait celui-là, l'hypodermique? Non, n'oublie pas que j'ai que 3 balles, c'est débile. Et ça, ce serait le vrai snipe? Non, ne me dis pas que l'hypodermique, j'ai que 3 balles. C'est nul. Mais vraiment, je m'attendais à avoir plus de munitions. Oh la tristesse. Ah ouais, c'est ça, on entend au bruit le... Wow, il trouve que c'est un tel avantage technique qu'il m'en donne que 3. Vu le bruit que ça fait, c'est surtout un problème de connexion de ta webcam. Oui, alors... alors, il peut y avoir du jeu dans le câble. Je veux bien regarder un petit coup. Je te l'accorde, mon cher Torota. Mais aussi, c'est parfois quand je tire trop sur l'USB. Ce qui, à ma grande surprise, n'est pas le cas ce matin. C'était le cas hier. J'utilisais en même temps ma bête disque dur. Non bah tant pis, je prends le lance-flamme. Il va falloir que je me la joue à la Rambo. C'est pas avec 3 fléchettes à dodo que je vais réussir ma mission. Ils sont 20 sur place. Donc... Non, je suis vraiment obligé d'être à la mode Rambo. D'ailleurs, au niveau des soins... Ah oui, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Il faut que je refasse le plein de seringues. Voilà, là, je peux en avoir une quatrième. Ce qui aide grandement, hein, vu la difficulté galopante. Enfin, j'exagère, galopante. Qui monte au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Bon, allez, je vais regarder pour la webcam. Attendez. Je vais peut-être la... C'est vrai que la prise est peut-être mal enfichée. Il y a du jeu, ça peut se produire. Alors, le câble de la webcam, il est là. Il est vrai que j'ai plusieurs trucs qui courent sur la webcam. Attendez. Voilà, si je fais ça. Et que je fais ça. Aïe 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 aïe. J'y retourne. OBS rapidement. OBS qui me dit. Qui me dit plus rien, OBS qui me boude. Bah alors. Boudou boudou. Ah. La webcam elle est là. Je la désactive, je la réactive. Là normalement vous me revoyez. Après il n'y a plus qu'à prier que la charge tienne dans l'USB. On va voir. Là normalement vous me revoyez. Moi, par contre, je viens de faire une ânerie. Je ne vois plus le chat. Il faut, voilà, que je remette mon logiciel. Oh, bonjour, la race moquette. Il n'y a pas de souci que tu sois en retrait. C'est gentil à toi de venir nous écouter. Enfin, surtout moi. C'est pas comme si j'avais le monopole. Ah, la webcam vient de relâcher au moment où je zappais dans les fenêtres. Mais c'est bizarre, ça. Encore, vraiment, hier, j'aurais compris qu'elle lâche l'affaire parce que... et si je changeais de port USB, je peux intervertir, c'est pas interdit. Mais c'est bizarre, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quand la technique s'en mêle. Vous, Dudu.
Quand la technique s'en mêle. Tiens, je vais changer pour une fois. Je vais mettre le câble là. Et celui de la souris ici. Et c'est là où vous allez voir que la souris va me lâcher. Pour jouer, c'est pas pratique. Alors, est-ce que vous revoyez ma tronche? Oui, non. Oui. Est-ce que ça va tenir? Grande question. Alors, à chaque fois, je regarde comme un igot mes oreillettes, parce que... Mes écouteurs, parce qu'il y a droite et gauche. Et si je me fais une stéréo inversée dans un jeu d'assaut, ça peut mal se finir. La 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 la... j'y réfléchis, je mets en plein écran. Je bois un coup parce que j'y souffre. Alors, j'ai le plaisir de passer quasiment mon dimanche intégralement avec vous. Mais je me vois faire un relais de chaîne ce soir à Poupon qui normalement ferait du Lego. Ça fait un paquet de dimanches que je suis pas allé voir Poupon et j'adore quand il fait ses Lego. Je sais même plus où est-ce qu'il en est dans la DeLorean qu'il est en train de réassembler. Et d'ailleurs, par rapport à mon programme de chaîne, normalement le dimanche matin, je fais le Final Fantasy. Je tiens à préciser que je me fais une petite pause puisque j'ai enfin fini le premier Blu-ray. Et il n'est pas impossible que j'attaque le deuxième Blu-ray de Final Fantasy dimanche prochain. A voir. Mais sûr, je reprendrai courant mai. Là, je suis une petite exception avec Far Cry 2. Ça me fait du bien de casser un peu les habitudes. Donc, il faut que je rejoigne. Attends. Comment... Quelle route vais-je emprunter? Bon là j'ai pas le choix. Pour sortir du bar de Mike. Enfin j'ai pas le choix si visiblement mais. Pourquoi je. Ah c'est pas la même route. En passant par la capitale, j'évite déjà un barrage. Donc si je pouvais éviter de me faire allumer, ce serait plaisant. Là, je suis obligé de rouler dans la flotte. Ah merde, mais je me prends le truc de la voie opposée. Oh ! Ce tremplin à la noix. Ouais, donc je passe par là, je tourne. Bon, les diamants à voler dans la ville, je crois que je l'ai fait à la toute fin du jeu quand j'ai épuisé toutes les missions des deux camps. Et à un moment, il y a une guerre civile qui éclate au cœur de la capitale. Alors le problème, c'est qu'on se fait tirer dessus comme un lapin pour aucune raison. Mais Zizani étant instauré, c'est de ce moment-là qu'il faut aller à la chasse aux diamants dans chaque camp. J'avais gardé un souvenir en temps de cesser le feu, d'essayer de voler les mallettes, mais ça se termine mal à chaque fois. Et réussir à se barrer sans se faire trouver la peau, c'est quasiment impossible. Alors attendez, que je fasse pas l'idiot, au prochain carrefour, normalement je me fais accueillir. Alors je sauvegarde. Ah bah tiens. J'apprécie déjà ma lunette de sniper. Là. Je vois pas les mecs près du panneau. Ils
C'est là que je me rends compte que ce carrefour-là, finalement, est pas surveillé. Enfin, vaut mieux vérifier à deux fois. Merde, je crois qu'il y a personne. Je deviens parano, il y a personne. Merde, c'était pas le carrefour là. Elle est bonne. Ah, soupir. Oh, j'arrive pas à le croire qu'il va être déjà 11h. Oh mon dieu. Enfin bon, l'essentiel c'est que j'ai récupéré mon énergie. Même si j'ai malheureusement dormi en deux fois. Ouais, bon courage Bastos, c'est vrai que tu pars bosser, oh là là, bon courage à toi, c'est très gentil Bastos, merci. Bon courage pour le taf. Ah merde, je me fais déjà allumer. Parti pour m'avoir le salopard. Il m'a bien allumé. Et c'est ultra confort d'avoir des seringues bonus. Quand j'aurai les 5, c'est juste complètement pété quoi. J'essaye de voir au pixel près s'il y a une tête qui se distingue dans la flore, si je puis dire. Non, il n'y avait pas qu'un seul mec. Il y en a au moins toujours deux pour garder un barrage. Vraiment étrange. Ah, puis évidemment, ils ont bousillé ma caisse. Bon, s'ils me tirent pas dans le dos, c'est que ça va. Ouais, moi, je t'en prie, Bastos, merci, ouais. Ah là là, faut bien gagner sa croûte. Ah là là. Ah, l'autre idiot, il est là. Non mais l'autre, il allait se coincer là. Oui, tu peux le dire. Allez, cuit qu'on en parle plus, je l'achève. Ce nigo est allé se... Oh. Aïe, 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 aïe. Ah bah tiens, je gagne... J'ai retrouvé ma seringue. Je suis remboursé, c'est merveilleux. Bon, bah cool. Oh, il y a le saut que je vais dégager, histoire de pas rouler dessus. Ouais. Y a rien au niveau de la rivière. Apparemment non. Apparemment, il n'y a que dalle, il n'y a que puic. Alors, par rapport à la carte, j'en suis où? J'en suis loin. Ah, il y a la maison, l'abattoir. Je crois que c'était l'abattoir, là. Oh, je suis pas encore prêt de rejoindre mon copain mercenaire qui va me proposer une alternative par rapport à la citerne à faire péter. Ma webcam a lâché prise. C'est pas de bol. Attendez. Ça y est, j'ai Windows qui se met à chanter. Il veut pas. Alors attends. Ah oui. Merde, il m'a vu ? Incroyable, le gars, il m'a vu. Ah, je me suis fait repérer. Où est-ce qu'il est?
Il est peut-être mort par le souffle de l'explosion ou des munitions qui sont... Oh oh. Ah, véhicule. Oh les cons, ils savent pas conduire leur véhicule. Oh les cons. Oh oh. Il a foncé sur un tonneau d'explosifs. Mais quel abruti, il s'est suicidé le gars. Ah, il y a du mouvement. J'ai vu une tête dépasser entre deux épis. Ah, le v'là. Je l'ai eu. Avec un peu de chance, il n'y a plus personne. Je dis bien avec un peu de chance. Ah, la musique action qui continue. Alors, j'ai toujours eu du mal à interpréter dans le jeu. Oula, j'ai un petit bug graphique quand j'ai retiré mon œil de la lunette. Oui, c'est bizarre, vous voyez, il y a l'écran qui clac-clac. Un petit bug. Bon. C'est bizarre les tonneaux mis sur le rocher. Ça pourrait... Oh, oh. Alors ça, ce bug, il est fort. Ah la vache, il y a un point, si je regarde un pixel précis... J'ai la colline qui disparaît. Illustration du bug dit du clipping. Quand le décor subitement apparaît puis disparaît. Pendant ce temps, j'ai Windows qui chante avec l'USB qui lâche au niveau de la webcam. Et j'en suis désolé, mais bon. Aïe, 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 aïe. Ce que je ferai pour cet après-midi, la suite du programme, quand j'en aurai fini avec Far Cry 2, je pense qu'exceptionnellement, je couperai pour la pause déjeuner et je relancerai mon ordi, finalement. Je ne vous mettrai pas des clips au hasard, parce qu'en relançant mon ordi, je pense que je retrouverai l'USB. Les faux départs, ça arrive aussi en électronique. Et puis, il est vieux, mon ordi. Alors, toi, tu dis, je laisse mon heure que je serai disponible pour le golf à partir de 18h. Ah, en fin de journée, 18h, ok. Bon dimanche à toi, Torota. Merci pour l'info. Merci, merci, c'est adorable. Bon, et je crois qu'il n'y a plus personne. Je pense que j'ai fait le ménage dans le... Je serais curieux d'aller voir comment ça s'est fini pour les mecs en bagnole. Comment ils ont fait leur affaire pour aller se tuer? Ah bah, c'est eux. Ah, il y avait un tonneau qui était devant et ces abrutis l'ont percuté plein de face. Ah ouais, pas mal. Mais alors le... Pff. Débile le gars. De toutes mes parties précédentes, j'ai pas souvenir d'avoir eu une forme de suicide comme ça. C'est juste énorme ce qui s'est produit. Bon, je sais pas si j'ai besoin de... Bon, c'est vrai que j'ai tiré quelques balles, donc s'ils ont... Bah non, la boîte de munitions, je l'ai faite exploser. C'est comme ça que j'ai semé la zizanie. On n'a pas de diamants, j'avais tout ramassé ici. Je pense pas que j'ai une autre boîte de... Avec des munitions. Je m'en souviens plus dans la boucherie. Ouais, c'est pas dramatique pour les 3-4 tirs que j'ai fait, c'est pas... J'aurais fait la guerre à moi tout seul, je dis pas, mais là c'est pas le cas. Ouf. Tu cherches à me faire rougir en disant merci pour mon super contenu. Ah là là, je me réjouis des bons moments, effectivement, qu'on passe ensemble. Oh, lui. Oh, quelle horreur. Attends, je vais pas ignorer le gars.
Non, il a une bagnole. Ah. Faut dire aussi que la boucherie, elle est large. Hein. Mouais. Ce sera le témoin de mon passage. Je vais lui laisser la vie sauve. Alors, j'en suis là. Ah bah ça va, je me rapproche finalement. Ma route se passe bien. Bonjour, AJ Club. J'espère que tu vas bien. Ouais, bah ça va. Moi, je vais mieux, merci. Alors, je te précise, sois pas surpris, ma webcam fait grève aujourd'hui. C'est pas de mon propre chef, mais bon. Je reverrai la webcam lors de ma pause déjeuner. Mais bon, comme vous le savez, c'est accessoire. Ah oui, c'est le train au-dessus qui passe. Merde. Ouais, j'étais parti pour finir ma course dans le décor. Je suis surpris de ne pas avoir eu le radar à diamant clignoté là. Oh 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 oh. Attends, il y a de la lumière, il y a de la vie là. Ah, la nuit va tomber, j'ai de moins en moins de luminosité. C'est vrai que l'idée de faire la mission de nuit, ça va être sport. Il y aurait personne, ça m'étonne. Surtout avec un logo d'un des camps affiché en énorme. M'étonnerait qu'il y ait personne. Ah, ce serait un point de ravitaillement. Oui, le programme. Oui, voilà, Edge, tu fais bien de poser la question. Tel que ça s'annonce, je pense que le Lego World, on le fera à partir de 16h. Et on fera du Golf Around à partir de 18h avec Torota. Si ça te dit, ça te convient? Je pense me faire un peu de Sonic Mania en début d'après-midi. Bon, là, je devrais jouer encore 2 bonnes heures à Far Cry 2 jusqu'à 13h. Et je redémarrerai en début d'après-midi donc sur Sonic Mania, je me vois faire ça. Peut-être autre chose en bonus que j'improviserai, aucune idée. Et puis, ouais, tu valides le programme? Je vote pour toi à la prochaine présidentielle. Qui débite. Et voilà, on fera 16h du Lego, 18h du golf. Du coup, bah 20h... Je pourrais honorer le programme habituel du tableau mystère. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de tableau mystère, mais comme je suis là. Et puis que FunFan a cédé son antenne. Puisqu'il, voilà, initialement, il pensait diffuser et puis il a renoncé pour se reposer. Comme il enchaîne pas mal de gros directs. Lundi, il va nous gâter, FunFan. Wally Walou, quoi. Et puis à 21h, ouais, je me vois rendre mon antenne pour... mince, j'ai la malaria qui me bouffe. Je me vois rendre mon antenne à 21h pour retrouver Poupon faire ses Lego. Ce sera pas plus mal. Ah, il y a du monde. Merde, le gars a été sauvé par une branche d'arbre. Qui l'aurait cru? Il me disait bien qu'il y avait du passage. Ça, c'est pas un truc qui explose. C'est un truc qui explose. Génial, c'est une bonbonne de gaz. Ah, ça va les faire détaler à droite à gauche. Mais pourquoi je l'ai pas tué? J'ai dans le viseur, il a pas moucheté. Bah. Pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Malin le mec. Il se planque derrière là. Mais j'en touche aucun! C'est une blague! Ah, je l'ai eu à la tête. J'allais dire, mes munitions sont pas en brousse.
Ah bah c'est bien, ils vont être plus proches, ils sont plus faciles à abattre. Allez hop. Et deux, deux. Allez, terminé. Alors il y en a un autre qui court à pied derrière. Il devrait apparaître derrière le buisson. Et avec un peu de chance, ce sera le dernier. Hop là, terminé. Oh, ça a bien flambé la bonbonne de gaz là. Le début d'incendie. Oh, j'ai déjà plus de munitions. Bon, bah, il n'y a plus qu'à espérer que le... Merde, il y a encore du monde. Merde, il reprend son véhicule. Ah, je l'avais dans le viseur. Mais là, il passe dans les flammes. Il est fou, le mec. Ah, leur voilà. Oh, avec cette végétation. On va faire le Edge of Empire en briques. Mais l'idée que tu énonçais hier, FunFan, me plaisait. L'idée que tu conçoives un croquis de tour que je me charge à bâtir dans Minecraft et l'appeler la tour FunFan, ton idée me plaisait. Je sais pas si tu dois me faire un dessin ou une description de ta tour. Mais je rêve. Il a éjecté son collègue en conduisant mal. Le mec, il a giclé. Hallucinant. Bonjour Aerostar, j'espère que tu vas bien. Elle est bonne celle-là. Le mec, il a tellement mal conduit que le passager a été éjecté du véhicule. Mais il l'a tué en fait. Le gars, il se relève pas. Non mais c'est une blague. Il faut que j'aille voir ça. Attends, je prends le lance-flamme, on sait jamais, mais... Alors, après le gars qui fonce sur un tonneau d'explosif et qui meurt cramé, le gars au volant qui percute un rocher et qui fait gicler son coéquipier hors du véhicule. Incroyable. Mais quelle bande de nigauds. Mais regardez-moi cette posture. Eh ben dis donc. Oh, il y a un mec là. Voilà, je l'ai cuit. Ah, non, c'est pas des munitions. Là, je peux peut-être réparer la Jeep. Le Japi, chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapu. Le Japi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Bah d'ailleurs, à ce sujet, je pense comme joueur du grenier qui disait dans sa réserve de costumes, il y en a qui ne peut même plus le mettre parce que ça pue la transpiration. Et comme c'est des costumes fragiles, il ne peut pas les laver. Et je remarque que certains de mes chapeaux, effectivement, j'ai le même problème. Je sais pas comment je vais faire pour les récupérer sans trop les esquinter, en fait. Je me pose la question. Comment je récupère mes balles de snipe, moi? J'ai fait usage de balles de snipe et là, j'en ai plus beaucoup. Ça m'arrange pas. Bon, ça, c'est pour le lance-flamme, c'est cool. Mais mes balles de snipe, je l'ai dans le baba, là. Puis on voit plus rien, il fait nuit. Il faudra que j'aille dans une planque provoquer le passage de la nuit, là.
Qui que quoi? Je quitte la geekerie, ça devient trop cher tout ça. Non. Oh, oh. Je ne sais plus ce que je lis. Bon. Il n'y a plus à avoir de munitions de snipe, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. La carte dit quoi? J'avais fait un repérage précis ou pas? Non, il n'y en a pas de repérage précis. Merdoum. Ah, misère, misère. C'est pas ça les balles de snipe, c'est ça mon problème. C'est un autre contenant. Ah, et visiblement, les gars, ils l'ont pas. Oh, il a encore envie, lui. Laisse-moi t'allumer. Pas malin, le gars. Vraiment pas malin. Ouch, ne me dis pas que j'ai relancé l'incendie. Wouhouhou. Mais c'est pas vrai. Ils ont forcément une boîte de munitions. Non, là, le wagon est complètement explosé. Attends, je vais prendre la machette. Ah, c'est peut-être là. Ah, c'est peut-être là que je vais trouver mon bonheur. C'est moi ou j'ai vu encore un mec? Non, c'était un objet. Ok. Merde, c'est des explosifs, là. J'ai pas intérêt à faire une balle perdue. Ah oui, non, mais là, c'est la poudrière, en fait. Bah mince. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. C'est des clowns les mecs. Ils ont pas de recharge de munitions. Ah oui, j'ai relancé l'incendie. Oups. Oh, c'est beau avec la lune. Oh, c'est trop stylé. Ça ferait presque fond d'écran là. Ah, je suis embêté. Ah bah attends, il y a une baraque de sauvegarde juste toute proche. Je pourrais faire le plein de munitions. On va faire comme ça. Est-ce que je prends le risque d'y aller en bagnole? Je pense que je peux me le permettre. Donc, attends, la carte. J'arrive même plus à me diriger. Il faut que j'aille par là-bas, en fait. Oui, c'est trop marrant le bug de la caméra. Bon, bah tant mieux. Moi, je me rebattrai avec à 13h, hein, parce que... Non, je pense sincèrement qu'il faut que je relance mon ordi. Il a du mal à initialiser l'USB. Et ceci explique cela. Je sais pas si remonter le long de la voie ferrée est une bonne idée. Oh, ça va, c'est quasiment désertique. Bon, finalement, je longe la voie ferrée. Attends, la planque, elle est par là-bas. Attention, Roger. Oh, les animaux, doucement. Je suis pas là pour faire safari. Oh, le bel animal. Ouais, je vais laisser ma... Mais sauvegarde, c'est une bonne idée, mais voilà, je vais descendre du véhicule. Bon, comme j'avais l'icône de la disquette, ça veut dire que c'est une planque que j'ai débloquée précédemment, je devrais avoir aucune résistance sur place. En même temps, je vous dis ça, j'ai un doute. Voilà. Je n'ai pas... Et merde. Il est où, le gars? Bon, bah tant pis. Ah bah, planque débloquée, oui, mais... Bon bah, je vais pouvoir me soigner. Bonjour, Tomouf, comment ça va? Ah, merci à toi d'être là.
Du coup, en débloquant la planque, je vais pouvoir provoquer le petit matin. Mais je maîtrise plus le coup de la montre pour choisir l'heure de durée de dodo. Oups. Ah, voilà. Ah, le bonheur. Ça veut dire que j'ai retrouvé des balles de snipe. Ah oui, ça y est. Sans même rentrer dans la baraque, vous voyez, je refais déjà le plein. Oh, je me sens mieux. Il n'y a pas de diamant d'ailleurs. Non. Le radar à diamant n'a pas sonné. J'entends de temps en temps un port USB. Oui, c'est moi. C'est moi, c'est mon USB qui est devenu fou. Je suis désolé, ça va le faire par intermittence jusqu'à 13h. Voilà, là j'ai le plumard avec la montre. Mais je sais plus. Bah tiens, je vais apprendre à remaîtriser l'histoire du temps. Comment je fais? C'est avec les flèches? Non, c'est pas avec les flèches. Merde, avec eux j'ai validé. Mais j'ai validé quoi? Bah, j'ai l'impression que j'ai validé rien. Attends, continue sans sauvegarder? Non, c'est pas ça. Comment je fais pour tourner les aiguilles de la montre? Ah! C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est... Alors là, il est minuit, visiblement. Ah, c'est comme ça! D'accord. Je veux me réveiller à 6h du mat. Oh, on est en été en Afrique. Oui, on va bien dans l'ensemble, Tomouf. Merci. Je mets quoi? Je mets 7h du matin? C'est pas mal pour préparer une attaque. Allez, go. Et là, on va voir l'aube. Ah! Ah! C'est plus que l'aube, là. Il me fait défiler la journée, cet idiot. Je trouve que la transition... Oui, bah je vais sauvegarder et continuer, c'est toujours ça de pris, mais... Ouais, je suis un peu surpris par la transition. Bon, là, pour le coup, j'y verrai quelque chose. 7h du mat, ça, en Afrique? Bon, bah rappelez-moi de mettre le réveil à 6h, hein. Parce que le temps que je prenne de la route, etc., j'aurais perdu du temps dans la journée. Bon, note pour soi-même. 6h du matin en Afrique, pas plus tard. Ouais, je vais prendre leur bagnole. Ma bagnole est là-bas, on la voit, c'est rigolo. Bah, je vais revenir sur mes... Oui. Parce que je vais aller voir en amont mon confrère mercenaire qui va me donner conseil. Si j'y vais en solo, je vais pas forcément me faire une bonne réputation. Et je vous ai écrasé les daims, là. Arrêtez, enfin les gazelles. Allez, bougez-vous les animaux! Mais tu cherches à te faire écraser, toi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire dessus? Les prières. Non, mais dis donc. Et là, je me barre. Allez, mec, allez. Ah merde! Oh, je voulais faire un gros boom. Tant pis. Je voulais rigoler, mais ça n'a pas marché. J'aurais tout fait péter, ça aurait été rigolo. Ah! Et ben, je me suis fait intercepter par une patrouille mobile. J'y lis dans les babas. Dans les bibi, les babas. C'était pas bobo. Du coup, si je file voir ma tuture d'origine... Oh, j'avais fait de la route avant de les croiser, la patrouille. Vas-y voir que je regarde à la lunette de snipe. À part les animaux, là, je vois rien. En même temps... Alors, j'ai l'avantage d'être en hauteur.
Mais je suis en plein dans le... Je sais pas si on peut appeler ça un baobab. Mais... Vous aurez compris que la végétation me pose problème. Bon, si je fais mon gros sagouin, je vais sur le rail carrément. Ils étaient où les Mickey? Ah, les v'là là-bas. Je viens de les voir. Finalement, ils sont passés. Si je passe doucement, discrètement, ils vont pas m'intercepter. Merde, ben non. Attends, non, ça c'est les animaux. Oh là, je suis en train de flipper là. Attends, je longe bien la formation rocheuse. Avec un peu de chance, ils me verront pas. Avec un peu de chance. Et mon copain, c'est la flèche en bleu. Merde, les gars sont revenus jouer du mouvement. Non. Ça y est. Je me fais allumer. Oh non. Je suis dégoûté. J'étais littéralement cerné. Ah là là, les salopards. Je prends des précautions pour la patrouille mobile, mais finalement, le carrefour, je me jette dans la gueule du loup et voilà le résultat. Mais c'est très malin dans la narration en fait, le coup de la malaria, parce que vous avez vu, si je fais un peu trop d'efforts, on voit que mon perso a des vertiges. Attends, j'ai très envie d'allumer la patrouille quand elle va se repointer. Je ne résiste pas à l'envie de les allumer, littéralement, là. Je pense qu'ils vont pas tarder à se repointer. Je crois qu'ils vont arriver de là. Ah merde, ils sont déjà là. Merde, je les ai pas vus. Eh ben. Avec ce raffut, il y a peut-être une autre patrouille qui va se pointer. Faut que je fasse gaffe. Non, c'est pas l'arbre que je voulais, c'était le véhicule. Oh là 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 là. Alors attends, je vais prendre de l'autre côté. Ouais, je vais prendre le leurre en attendant. Bah, mon véhicule condamnera l'accès à la voie ferrée. Donc, j'avais un comité d'accueil. Je sais plus où, à vrai dire. Bah c'est là où on voit le panneau. Ah, si je pouvais monter complètement sur le véhicule, ce serait génial. Génial, ouais. Là, j'ai une vue imprenable. Voilà. Et de deux. Je leur fous le feu. Ça va les distraire. Oh, il y a du monde là-bas. Merde, j'ai loupé. Il a dû entendre la balle siffler près de lui. Mais je l'ai eu. Ah, ça bouge là-bas. C'est des débris ou c'est un mec? Ah non, c'est un mec. Oh, génial! Je l'ai abattu avec classe. Le feu se rapproche vers moi, dis donc. Bon, avec un peu de chance, c'est dans la baraque que je vais retrouver un peu de munitions, du moins je l'espère. Mais prochain achat à faire, si je le déverrouille dans l'armurerie avec les diamants,
c'est la bandoulière de snipe, parce que je trouve que j'ai pas assez de munitions. C'est la misère. Ouais, j'ai fait une petite sauvegarde rapide, mais je pense pas que je me ferai allumer là. Il y a peut-être encore un mec, voire deux grand maximum, mais je pense que j'ai fait le ménage. Ouais. Sur les dépouilles des gars, est-ce que je peux pas récupérer des munitions? Oh là là, on entend que c'est en train de rôtir au niveau de l'arbre. Non, vas-y voir que je porte sur moi le snipe. Attends, est-ce qu'il y a un loustic qui avait une arme compatible avec la mienne? J'en ai pas l'impression. Je vais encore me faire voir, mais... ça... je comprends pas. Ça me déçoit par rapport au poste de garde. Qu'ils aient pas une boîte à munitions compatible snipe. J'arrive pas à l'accepter, ça me bouffe. Ou alors j'ai mal regardé, mais... Oh! Ah non, c'est une victime. Ah bah tiens. Non, c'est un rocher, ça c'est quoi? Ah, c'est un tonneau d'explosifs qui a roulé boulé. D'accord. Non, lui, c'est du fusil qu'il avait. Je peux rien faire avec du fusil. Les autres gars que j'ai abattus, où sont leurs corps? Parce que j'en ai dégommé à droite à gauche, mais... j'arrive pas à voir quel fusil il avait, lui. Attends. Non, c'était un pistolet mitrailleur. Ah! Les balles sont compatibles. Pas du tout. Là, je considère ça comme étant un bug. Puisque je me retrouve toujours avec 3 balles. Marrant, ça me fait penser à la chanson du groupe Téléphone. On te donne 3 balles. Je sais plus l'air de la chanson. Enfin bref. Bon bah... est-ce que mon coéquipier va me donner des balles? Je sais pas. On va voir. Faut bien qu'on avance dans l'histoire. La classe serait que je parvienne... merde, je suis parti dans le sens contraire. Mais quel abruti, je sais même pas lire une direction, moi. La classe serait que j'arrive à faire en ninja, en totale infiltration, la pose de l'explosif au niveau de la citerne, au milieu des vigies qui me repèrent pas, et tout faire péter, ce serait quand même pour eux, ce serait une humiliation. Ah mais non, mais il m'attend dans une planque, mon... ah bah, hé, bah, attends, pourquoi je l'ai pas vu sur la carte? Oh, il y a une armurerie, mais c'est le bonheur. Et moi qui me les brise à vouloir rechercher des munitions là où j'ai fait un carnage. C'est ça qui me manquait, c'était ça. Ils avaient pas les boîtes là de munitions. Oh, je me sens mieux tout d'un coup. Pa-pa-pa-la-pa-pa-la-pa. Et mon copain mercenaire m'attend un peu plus haut sur la route. Copain, copain, t'es où? Ah, petit chemin. C'est un petit chemin qui sentait bon la noisette.
Bon, je chante affreusement l'air. Je sais plus non plus comment est l'air de la chanson française. C'est à moi que tu parles ? Y'a personne d'autre ici. Quoi de... Oh man, ne le prends pas comme ça. Toi et moi, on va foutre un beau bordel aujourd'hui. Tu vois ce ranch à bétail là-bas ? Le type qui y vit est un vrai connard. Va le buter. Tu m'étonnes que c'est un vrai bordel. Lui, il a toujours la bougeotte. C'est bizarre ce bug, j'ai pas souvenir que ça le faisait avec les autres persos. Oula, il a vraiment la bougeotte ce mec, hein. C'est un hyperactif, vous avez raison. Attends. Mes munitions, ça le fait pas. Ah si, ça le fait. Waouh! Oh la vache! Ah oui! Là j'ai 17 balles, je me sens beaucoup mieux pour le snipe. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut que je fasse la peau à un gros vilain. Mais attends, j'ai accepté la mission ou pas? Pourquoi j'ai toujours le cadre bleu sur mon copain? Ah, j'ai pas validé, pas, d'accord. Descends le mec orange. Descends le mec orange, d'accord. Ok, je veux bien. Ah, et à partir de là, il acceptera de me donner un coup de main. Ça me va, j'accepte. Je pense que je peux tout faire dans la journée, hein. On est encore le matin normalement en Afrique. D'accord, donc faut faire la peau. Un gars qui est un grand vilain, nous dit la narration du jeu. Personne dans ce carrefour. Surprenant. Oh, je vais croiser une patrouille mobile, c'est pas possible. Je trouve ça louche. Surtout que j'ai l'impression d'être au milieu d'exploitation. Oh oh. Il y a du peuple. Voilà, lui c'est terminé. Ah, pas le... Merde, j'ai tiré à côté de sa tête. Là oui, je risque de mourir, effectivement. Merde. J'espère que les véhicules vont pas exploser. Allez, fusil de snipe et monte. Alors. Ah, j'ai vu du mouvement. Je crois que l'arbre me protège. Ou pas. Qui c'est qui m'allume? Oh! Incroyable! Il me restait 2,5 barres de vie et il m'a liquidé. Il devait être sur une mitrailleuse lourde, c'est pas possible autrement. Oh, Midoum. Midoum, Krotoum, Choutoum, Bodiloum. Excusez-moi du peu. Bon, je connais le prochain pont où ça chauffe. Ah, la patrouille est là. On a vu le mec dans sa voiture civile. Ah bah tiens. Bon, lui, je vais pouvoir l'allumer au pistolet mitrailleur. Je vais pas faire dans la dentelle. Allez. Mercenaire de mes deux. Il avait quoi sur lui? Ouais. Mercenaire du dimanche, lui. C'est vrai que je devrais jouer à la discrétion, je prendrais sa voiture de civil. Mais bon, c'est tellement agréable d'avoir des munitions illimitées avec la tourelle installée sur la Jeep. Alors, que je me positionne bien et que je les allume gaiement. Alors, bougez pas mes Mickey, quand je serai parvenu, voilà, à monter sur toi de mon véhicule. Ah, c'était lui qui me causait misère. Terminé. Donc, il y en a un qui va prendre son bolide.
je présume. Il n'y a plus qu'à espérer que ma dextérité reste légendaire. Alors, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui les allumait à distance, mais ils n'ont pas localisé, donc ils savent pas dans quel coin aller. Il est bon d'attendre, hein, dans ce jeu. J'ai failli dire ce simulateur. Ça fait tellement réaliste par moment. J'ai dit par moment. Que marquer des pauses lors des assauts, ça... On va dire que l'intelligence artificielle se réinitialise. Ah, pourquoi il détale comme un lapin, lui? Il m'aurait repéré à la lunette? Bizarre. Mais malin. Avec la végétation, là, il a tout le loisir de me contourner. Vu l'installation, c'est il y a au moins 4 mecs. De toute façon, on l'avait vu tout à l'heure quand je me suis fait avoir. Est-ce que je fais une approche féline? Comprenez que je me mets accroupi dans l'herbe. J'avance tout doucement. Vous vous souvenez mon premier assaut au début de ma carrière, là, depuis que j'ai relancé le jeu avec vous? J'avais fait un assaut de cette manière-là à la boucherie, qu'on a revu d'ailleurs tout à l'heure. Comme on n'avait pas beaucoup d'armement au début, la seule manière, c'était l'infiltration. Il n'y avait pas d'autre option. C'était impossible de faire son Rambo. Et ça paie. Je crois que je vais agir de la sorte. Je vais prendre le lance-flamme pour en allumer certains. Si je reste discret... Alors, il faut que j'évite d'être à côté de la route. Et avec un peu de chance, ils vont pas me repérer. J'ai dit avec un peu de chance. Nous avons un pont avec une jolie petite cascade. Ça a l'air de... Sûr qu'il y a quelque chose par là ? Ah. Sûr de rien, mon pote. Ah, il s'approche. Il m'a pas vu. Non, il y a une patrouille mobile ? Déconne pas. Gars là-bas. Ah, il est à l'intérieur, le mec. Coucou! Non, c'était prétentieux. Et encore, j'ai pas à me plaindre de la portée du lance-flamme, qui est vraiment efficace, mais c'était prétentieux de ma part, là. C'est limite si discrètement à la machette, je pourrais pas le quick. Non, il m'a entendu, le gars. Non, mais le mec, il est juste là. Tu vois quelque chose? Que dalle. Et toi? Ah, c'est trop chaud. Ah bah là, c'est cadeau, là. Merde. Ah. Merde. Je sais plus comment je lance les grenades. J'ai oublié la touche, ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider. Où
une vache. Alors avec un peu de chance, j'ai réussi à faire le ménage, mais tout flambe. Là, je suis debout. C'est apprécié. Visiblement, il n'y a pas de patrouille mobile ici. On n'est plus très loin. Je serais presque tenté d'y aller à pied, encore que. Bon, bah, c'est du tout cuit. Aïe. Attends, la petite baraque là, j'ai pas vérifié s'il y avait des munitions. Attends, je vois quelque chose qui clignote à l'intérieur. Ah! Oui, c'est pour mon lance-flamme. Ça, c'est une recharge de lance-flamme. Ça va effectivement m'aider. Bon, bah, j'ai pas... J'ai préservé mes munitions de snipe, donc ça va. Alors... Petite sauvegarde rapide. C'est bien, on progresse. Quand je fais pas trop le foufou Rambo, que je calcule bien mon coup, ça se passe très bien. Alors, le gars, il est en amont. Pour un assaut, ça aide pas du tout. Je vais quitter mon véhicule parce que je vais forcément me faire repérer. Un petit peu de grimpette. Je peux pas faire autrement. Ah, de mon rocher, je le vois ou pas, le gars? Où est ma cible? Il y a deux mecs. Je pense que ma cible est dans le bâtiment. Oh, il y a une poupoule. Roule ma poupoule. Alors, j'ai envie d'essayer une approche féline, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Eh, hey, il y a plusieurs bâtiments. Il est où? Où est ma cible là-dedans? Ah, apparemment à côté du silo. Si j'arrive à assassiner le gars du contrat... C'est quoi, c'est une poule, ça? Ah oui, c'est une poule. Sans me faire repérer par ses vigies, c'est la classe. Les vigies ont fait leur boulot. Ah merde, il était là le mec, je l'avais pas vu. Non. Bon, bah je vais faire mon snipe, hein, l'approche classique. La furtivité zéro pointée. Mince, je suis tombé de mon beau rocher, alors... Oh, j'étais bien dessus. Vous allez voir que je vais pas réussir à remonter dessus. Non. Attendez. Que je fasse un saut avec élan. Ah non, là, c'est bon. Oui, il faut que je reste appuyé. Bon, bah allez. D'ailleurs, l'imbécile que je suis, il ferait bien de retrouver sa touche pour le lancer des grenades. Alors, je pense que je retrouverai des grenades
J'ai entendu du bruit. C'était un véhicule. Ah, le mec qui fait le fou dans les tonneaux. On pourrait croire qu'ils ont lâché un taureau dans le... Non mais il est sérieux le mec? À quoi il joue? Alors là pour le coup ça m'a... intrigué on va dire, mais... Mais il est sérieux le gars? Non mais c'est une blague. Attends. Non mais... Ah génial! Bravo, il a fait le tour, il m'a abattu très bien. Ah là je me suis fait avoir comme un bleu. Il aurait presque été plus drôle, attendez, que je pose un explosif et que je revienne sur ma position. Ah, bah tiens, les gars sont là. Ah oui, j'avais pas commencé l'assaut, donc ils sont trois, ok. Mais où est-ce qu'il va le mec? Il est parti d'étaler à l'autre bout du pays là, c'est un déserteur ou c'est moi? Oh, ce serait tellement marrant de pouvoir tirer sur un explosif et foutre le feu. Sauf que là, j'en vois pas. C'en est un là-bas? Ah oui! Je vais mettre un petit peu d'animation bonus. Ah, les poules, elles sont peinardes. De l'insouciance des gallinacées. Oh, la patrouille mobile. Qu'on aura aperçu dans ma lunette de snipe. Mais c'est pas vrai, ils sont planqués comme c'est pas permis. Ah ah ah! Qu'est-ce que j'ai vu? C'était les flammes ou un mec qui s'est mis à courir, à détaler? J'arrive pas à savoir. Bon, allez, je vais me diriger vers ma cible parce que... Bon, il est vrai que si je tire une nouvelle fois, je vais me faire repérer. Ah! Bon, en même temps, le gars, il est loin. Le gars, il est loin. Alors, il y avait... Celui qui m'avait repéré, il était dans le champ. Et il m'avait cueilli comme une fleur. Personne? Mais comment je me suis fait avoir, moi? Y'a quelqu'un qui bouge! Bah, je l'ai pas vu. Ah merde, bah, je suis mort. C'était très viril. D'essayer de les deux de se les faire à la machette, mais je pouvais pas me faire un... Il est pas doué en arts martiaux là, je pouvais pas faire un truc digne de Crane dans Daylight. Oh la vache, il y en a du monde. Il y en a du peuple. Je peux vraiment pas essayer d'approcher ma cible sans me faire... sans me faire repérer? Ce serait stylé quand même. Ah, le gars qui m'a eu, il est là. C'est ce mec-là.
C'est lui qui passe à l'arrière. Ah, ils sont plusieurs. Attendez, j'ai vraiment envie de jouer la furtivité. On est d'accord qu'ils font littéralement une ronde. Ah merde, il est là lui. Ah bah là, il m'a pas vu. Ah. Oui, oui, non, mais là, mais là. Non, non, snipe. Je crois savoir que l'entrée du bâtiment auquel je vais accéder est justement à l'opposé de ma position. Donc autant dire que je suis foutu, quoi. Pour l'infiltration, c'est mort. Il aurait fallu que j'arrive par le côté opposé. Je peux m'offrir une autre position de snipe? Je crois pas, hein. Et je vais finir par débrancher ma webcam parce qu'elle arrête pas de chanter, j'ai peur que ça vous saoule. Ah, la patrouille mobile là-bas au loin. Il marque un temps de pause dans sa marche le gars ou pas? Non. Allez, top départ à la vachette. Une petite diversion pour mon plaisir perso. Oh! Oh! Mais sérieux? J'ai failli me manger le... J'en reviens pas. À cette distance, j'ai failli me manger un tonneau. Mais il a valsé sur 250 mètres, là, c'est même pas la peine. Avec le relief. Waouh! Alors, j'aurais jamais cru. Eh bé. La matinée est un peu spéciale sur Far Cry 2, je trouve. Après les histoires folles en voiture. Non, je vais devoir bouger de ma position. Ça va pas. Là, j'en vois pas d'autres. Ah, j'ai une autre vue. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un truc d'explosif. Je pourrais faire cramer en deux temps, si je le souhaite. Ah la vache, ils sont bien planqués, les mecs. Merde, j'ai loupé. Ah ! Je l'ai eu. Un peu culotté ce qu'il vient de faire le gars. Ah bah, lui c'est pas mieux. J'ai envie de dire, il en reste plus qu'un, il est là-bas. Hop là, je te mets le feu. Ce soir on vous met. Ce soir on... Ah, il est déjà là. Oh, il y en a encore un. Incroyable. Ah, ils sont plus nombreux que je ne pensais. Et je crois savoir que ma cible est complètement planquée dans, à l'intérieur. Oh, ça c'est une belle Jeep. C'est une Jeep civile, pas militaire. Ouais, mais là, à mon avis, je l'ai bien endommagée, la bagnole.
Avec un tel incendie. Bref, de toute façon, je me vois pas repartir avec. Bon, allez, je vais sauvegarder là parce que j'ai fait un joli petit carton. Il n'y a pas la patrouille mobile. Ah, je les aurais dans le viseur, je serais tenté de les allumer histoire de les attirer, mais ça pourrait mettre un terme à ma mission. Mais ça me ferait tellement marrer de semer la zizanie à grande échelle. Non, ils reviennent pas, les gars. Mais bon, je vais pas les attendre exprès. Ah, c'est une poule. Décidément. Alors, prudence quand même, mais je pense qu'il n'y a plus personne. Oh ! Quel merveilleux cadeau. Il y a une mallette de diamants qui m'attend. Non, mais là, je suis quasiment corps à corps, j'y vais au lance-flamme. Eh, c'est quand même une sacrée installation. J'aurais pas dire, mais... Bon, le loustique du contrat, il est armé ou il est à poil? Oui, je suis toujours à la ferme. En combien de temps les hommes peuvent arriver? Comment? Non, je ne sais pas me servir d'une arme, idiot. C'est pas mon travail. Qu'est-ce que tu fais là? Attends tout de suite. Mes hommes sont en route et ils te tueront dès qu'ils te verront. Je t'aurais prévenu. Va-t'en, vite. Ah, pas mal. C'est horrible, mais efficace. Il m'a fait bobo avec son tir, salopio. Hop, ça c'est pour moi. Enfer, maintenant détruis ces wagons. Mais c'est avec joie qu'on va se faire un petit peu d'artifice. Tu m'étonnes. Enfin, on va pas se priver du plaisir de faire visiter les lieux. Eh, hey, y a pas notion de gilet pare-balles dans Far Cry 2, je ne sais plus. Si. À un moment, je vais déverrouiller les gilets pare-balles, c'est vrai. Là aussi, il faudra gérer ça, ce sera vachement pratique. La mémoire me revient subitement. Oh la vache. Alors là, au niveau pharmacie, j'avais la totale ici. Non, le véhicule est prêt. Oh, je t'ai vu, mec. Oh, ils sont plusieurs. J'ai vu deux mecs. Ah, mais c'était une patrouille. Ou alors, c'est l'avertissement de la cible qui était scriptée. Et le gars, effectivement, a appelé ses hommes. M'en fous, j'ai de la pharmacie ici. Je peux faire mon mariole. Ils seraient deux? Ils sont où les mecs? Ah oui. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il m'ait poursuivi d'aussi près, voyez. Bien. Oh, il y a un véhicule qui a pété. Attends, il est où le gars? Quoi? Derrière moi. Non, c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. Le mec m'a contourné. Le gars m'a contourné. Lance-flamme. Je vois pas, il est où? Mais je vois pas où est-ce qu'il est. J'en peux plus de ce merdier. Je vais te couvrir, t'es prêt? Ça va déchirer. Bah, ils sont combien? Si viens par là, je me tiens prêt. Ah, il est là-bas, le gars. Merde, une attaque de qui? Pas la moindre idée. Il est où? Hey,
combinato. Arme mes effets direct. Il se passe rien. Arrête de te plaindre, c'est comme ça. Hop, lui je l'ai eu. Où est passé l'autre? Bah, ils étaient bien deux, ils se sont fait la causette. Oh oh, ils étaient deux. Coucou, laisse-moi t'allumer. Merde, j'ai plus de carburant. Ah non, j'ai eu une défectuosité du lance-flamme. Je fais comment pour les grenades? Bon, le mec est mort, non? C'est pas comme ça les grenades? Ah si, c'est comme ça. Ah bah voilà, j'ai gagné. Hop, et j'ai retrouvé une grenade en cadeau. C'est pas beau, ça? Eh ben, il y en avait du peuple. Et encore, c'est peut-être pas totalement fini. Wow. Wow, wow, wow. Alors, pas cool. La santé, déjà. Je vais re-shipper une pharmacie. Ouais, je vais prendre celle-là. D'ailleurs, sur ma carte, est-ce que... Non, c'est noté. Balle de snipe. Elle est où leur boîte à munitions? Je sais déjà plus. J'avais vu une boîte à munitions. Ah, c'était à l'extérieur, je crois. Je crois. C'est ça. C'est ça qu'il me faut. Nickel. Alors là, autant dire que je suis refait. Et encore, le compte n'y est pas au niveau des de la santé. Il me faudrait une bouteille d'eau pour récupérer ma petite casse de vie qui me manque. Et je retourne à la pharmacie pour une dernière boîte, une dernière seringue. Ne me dis pas qu'ils n'ont pas d'eau ici, vu le nombre d'hommes qu'il y avait. Il y en a bien qui a laissé une bouteille. Ah, les bandes de soifards crevèrent. Bon, bref. Alors, seringue bonus, ça me va. Lui, sa posture, j'ai cru à un moment qu'il était encore en vie. Oh non, la malaria. Ah, non, c'est pas vrai. J'ai pas fait sauter le wagon et la journée sera déjà passée. Oh là là. Terrible. Non, mais vous êtes pas sérieux. Il y a une bouteille d'eau dans le coin, non? Oh, il y a une radio. C'est la propagande. Propaganda. Attends, elle est où la bouteille d'eau? C'est pour... Faut que j'aille en face, là où ça a pété. Là, il y a du monde ou il n'y a plus personne? Il n'y a plus personne. Après le grabuge qu'il y a eu en face. Bon, tu me diras, pour une approche, j'ai pas la bonne arme. Mais... Non! J'arrive pas à accepter qu'il n'y ait pas de... Bon. Allez, je retourne sur place, parce que n'oubliez pas, il y avait une mallette de diamants que j'avais repéré à un moment donné. Fallait que je pète quelques caisses pour pouvoir me servir en diamant. Oh, j'en reviens pas, il n'y a même pas une bouteille d'eau. Je suis choqué. Je n'arrive pas à l'accepter. Non, c'était pas le bâtiment là, c'était le bâtiment là-haut qui avait le diamant. Ça, ouais, j'en prends. Ah, le voilà le diamant. Les diamants, digi digi digi, dans tes dents. Mince, je peux pas passer. Il y a encore des planches. Non, ne me résistez pas. C'est bon, je peux passer. Bon, merci.
Ah, c'est ballot, je m'étais déjà servi. Bah, je me souviens pas être venu ici. Bon. Ah. Mess. Bon, bah, je vais repartir avec la Jeep de luxe finalement. Oh la vache. C'est le SUV familial. C'est le SUV familial. Peut-être un passage à l'armurerie. Ah, attends, où est la route là-dedans? Et il faut que j'aille par là normalement, c'est ça. Minecraft, le jeu le plus vendu au monde. Plus de 200 millions d'exemplaires. Et le jeu favori du sage. Oui. Rejoignez-vous aussi le serveur de jeu sur lsdn.craft.vg émoticône souriant. Lorsque le jeu est diffusé, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique pour provoquer des événements en direct. Il n'est pas nécessaire que vous possédiez Minecraft afin de pimenter notre aventure. Ah oui, c'est débile. Ah bah là, il se passe beaucoup de choses, mon gars. J'étais surpris de me dire, tiens, j'ai aucune résistance. Je t'ai vu. Ah, joli, il m'a snipé. Enfin, snipé, même pas, c'est un pistolet mitrailleur qu'il avait. Oui, je préfère ça parce que sur le coup, j'ai eu un moment d'absence, de gros doute, en me disant, mais c'est pas possible. Le poste là, il est pas... D'ailleurs, je sais même pas si je peux le réquisitionner. Ah, si, peut-être, parce qu'il est indiqué sur la carte. Ah, peut-être que j'avais commis la bêtise de pas le revendiquer. Attendez voir. Putain, il y a le mec juste en face. C'est quoi? On va vérifier. C'est ça. T'as vérifié, mon gars. Ouais. Ah. Alors, c'est bête. Mais il se trouve que je suis plutôt bien positionné là. Ah, il y avait peut-être plus personne d'autre. Bon appétit, ouais, Nayone. Bon app pour ceux qui partent manger, ouais, il est déjà midi, des bouettes. Hein, moi j'arrêterai ma folie à 13h, sûrement avec l'explosion du wagon. Oh merde, une troupe mobile. Alors qu'est-ce qu'il fait le clampin? Non mais il sait pas conduire. J'avais pas vu qu'ils étaient deux dans le véhicule. C'est quoi ce délire? Ah ouais, il m'a liquidé de la colline opposée. D'accord. Alors là, je suis surpris. Ok. Ce jeu, c'est bien, hein, il va toujours me surprendre. Il y a de quoi devenir parano. Ah, par contre, faire du snipe avec le ciel devant soi, c'est pas cool.
Mais quel idiot, mais c'est pas possible, s'en a encore un qui va. Oh, je suis là, idiot. Oh là là là. Ah bah tiens, je vais prendre le. Ah bah non, c'est pas dans le bon sens. Ah, le mec il est en face. Attends, je veux bien le sniper là. Eh, il était bien équipé le mec. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Parce que là pour le coup il m'a clairement bien allumé. C'était quoi son arme? Attends, son corps doit être quelque part par là. Qu'est-ce qu'il avait? Un Uzi? Non! Ah ouais! Il avait un fusil de snipe et un Uzi. Voilà pourquoi il a pu me saucer aussi généreusement. Message de FunFan1992. Bonne fin de live. Je reviendrai un peu plus tard dans l'après-midi. Ouais! T'as bien raison, FunFan. Bon dimanche à toi, bon app. Et merci déjà pour ta modération du matin. Oh, c'est tranquillou, ouais, on est peinard pépouze, ça fait plaisir. Oui, attendez, je me fais une petite pause de 2 minutes improvisée parce que je vais débrancher la webcam. Le son était vraiment chiant de Windows. Bougez pas. Puis je vais aller me chercher un peu de flotte pour mon confort. 2 secondes. Ouais, pardon, me revoilà. Attendez, je me réinstalle. J'aimais rien si t'es lu. Alors, la nuit qui tombe. Oui, attends, que je sois debout. Alors que. Ah oui, c'est la pharmacie où j'ai plus rien. Par rapport à ma guerre, là. Voilà. Que je reprenne un max de seringues. Oh, elle est jolie. Il n'y a pas de diamant. Oh, j'aurais fait une partie où j'aurais pas récupéré de diamant, sniff. Oh, je suis tristesse. Ah, oh, je suis encore loin de ma cible. Il y a l'armurerie en face. Vas-y voir que je prenne le.
pas de patrouille. Comment je gère mon assaut? Je suis réfléchi. Armurerie, j'ai ce qu'il faut. Ouais, je vais déjà sur place, je tourne à droite. Allez, je prends le risque de monter sur place. Alors la classe absolue, mais j'y crois pas. La classe absolue, c'est de réussir à poser un explosif télécommandé au niveau des wagons en question sans se faire repérer. Et tout faire péter ensuite. Ouh, il y a un gars qui est posté en snipe. Ah, là-bas. Je t'ai vu, mon gars. Terminé. Bien joué, mais je t'ai repéré. Ah. Oh, le con, il a roulé dans les flammes. Du coup, il a pris peur et il s'est barré dans la... Direction opposée. Oh, il est blessé, lui. Et il est mort. Oh merde, il y en a encore un. Une petite diversion. Oh, c'est tellement tentant. Ha 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 ha. Mais il est sérieux. Ah. Ah, il va trop vite. Loupé. Là aussi, c'est pas un tonneau là-bas. Ah non, ça doit être un rocher. Bon, c'est idiot parce que là, je suis en train de perdre mes munitions pour le coup. J'espère qu'ils ont des... Normalement, oui, mais... Vas-y voir que je regarde à la... Au repérage que je fais jamais à mon grand tort. Parce que je pourrais compléter ma... mes repères sur les cartes et éventuellement mieux revendiquer les points de contrôle. Ce qui fait que sur le papier, je devrais avoir moins de résistance à chaque passage. Ah, j'ai le droit à une petite grenade en cadeau. Si besoin est. Oui, bon, celle-là, oui, je me souviens. J'ai dû visiter déjà 3-4 fois l'endroit. Comment on a retourné le véhicule avec le bidon d'essence à côté? Enfin, le tonneau. À quoi il jouait? Dommage. Dommage. Je dirais pas non, un petit peu de mécanique. Faut que je remette de la main sur des balles de snipe. Et j'ai pas encore repéré. Ah là, voilà la caisse. Et alors, je l'ai ou pas dans mon. Voilà, là je la rajoute dans le. Enfin, je me suis mis à jour quoi. Mouais. Il y a des trucs qui me laissent un peu sceptique quand même. Si seulement
Est-ce que... Je pense pas que j'aurais moyen d'escalader là. Il y a pas de diamant aussi, j'y pense jamais. Mais... Si seulement je pouvais escalader cette formation rocheuse, à l'opposé j'aurais... J'aurais pleine vue sur ma cible et les wagons. Oh, avant que la nuit complète tombe et que j'y vois plus rien. Est-ce que je peux pas guaquer le jeu? Ah, attendez voir, il y a comme un chemin qui se dessine. Ah merde, Doom. Alors l'effet de flou est normal, hein. Le perso que j'incarne souffre de malaria. Donc il a du mal à faire des efforts. Non, pas de mur invisible, les enfants, s'il vous plaît. Soyez fair play. Non, j'ai l'impression qu'il y a un mur invisible et que les décors s'affichent pas derrière. C'est dégueulasse. Je mérite ma position de sniper. Non, c'est honteux. Remboursé. Ah, les vilains devs. Ils veulent pas que j'ai un avantage certain. Bah tiens, je suis tombé comme un caca. Ils veulent pas que j'ai un avantage certain. Oh là, je me suis peut-être complètement coincé là. Oh non, je vais devoir recharger la partie. Ou me laisser glisser. Non. Non. C'est horrible. Adieu, monde cruel. Oh, je suis deg. Oh, j'aurais été tellement fier comme un kéké là. Fier comme un artaban, comme on dit. Ils sont de l'autre côté de la montagne. Je vais essayer de guaquer le jeu. Cette frustration. Même là, ça fait assez naturel comme... Attendez. Non, là, je peux pas. Là, je peux pas sauter. Si. Ouais, mais... Ouais, dans la... Alors, on commence comme ça, on finit speedrunner. Hein. J'essaie de trouver les failles de conception du niveau. Dans le sens large du terme, mais bon, vous l'aurez compris. Non, c'est dégueulasse, je mérite ma position de snipe. Ah, je suis dégoûté. Non. Là aussi, ça me fait... Ah ouais, ouais, on voit, j'ai un mur invisible. Il s'est arrêté de courir. Attends. C'est moi qui flippe ou j'ai vu un... Ah non, c'est un objet. Je me disais, ça y est, il y a un gars qui est arrivé entre temps. Enfin, je suis pas à l'abri de la visite d'un clampin, mais bon. Non, non, on voit quand je saute d'ailleurs que le décor se charge pas derrière. Il me fait un étang alors que sur la carte, il n'y en a pas. C'est censé être le désert. Non, bah j'ai pas le droit. Je voulais ruser, mais le jeu me l'interdit. Bon, allez, je vais pas essayer de lui tordre le bras. Rrr. Je suis dégoûté. J'arrive à m'infiltrer et puis boum. Ce serait énorme. Attends, je laisse le véhicule là. On va voir. Non, là c'est du matos. Non, ça grouille de mecs, forcément. Forcément. Est-ce que je peux zoomer? Non, pas encore. Je suis pas dans la zone d'action d'après le jeu. Pas encore. Ah
considère... Ça y est, je suis enfin dedans. Ah ouais, d'accord. C'est le wagon... Ok. Attends que je repère ma cible. Ouais, non, je le vois pas. Oh là là! Mais ils sont combien? Oui, ils sont vraiment 20, là, comme je disais tout à l'heure. Comment veux-tu que j'arrive à poser un explosif sans me faire repérer, me barrer et tout faire péter? Je pense honnêtement que c'est possible, hein. Mais c'est digne d'un... d'un Metal Gear solide. Oh, j'ai envie d'essayer. Miaou, je suis un félin de la jungle, vous m'avez pas vu. Enfin, faut-il ne pas avoir des bugs de... Oh, je peux me cacher là. Attends, mon truc il est là-bas. Oh, attendez. Je vais faire une sauvegarde spéciale parce que je crois que je peux prétendre... Je crois, sans déconner, que je peux prétendre à ma théorie ninja. La ninja théorie tient le bout. Tiens, j'ai l'impression que la luminosité avait changé. Le gars m'a pas vu. Attends, c'est quel wagon? Ah, c'est par là-bas. Merde. C'est ça, fais ton tour, mon Mickey. Tu ne m'as pas vu. Non, ils ne m'ont pas repéré. Ah non, c'est énorme. Attendez, j'hallucine là. Je n'en reviens pas. Attends. Oh, merde, il y a du diamant. Oh là. C'est ouvert aux 80. Ah, c'est le machin là. Merde, il m'a vu. C'était sûr. Attendez, je recharge. Il faut absolument que je les guac, c'est obligé, c'est trop drôle. C'est trop la classe. Mince, je viens de boire comme un goret, je viens de me renverser sur le... sur mon haut. Non, c'est pas du bon côté. Non, c'est celui-là, c'est la grosse citerne blanche. Le mec, il est où? Putain, mais le gars, il m'a pas vu, quoi. Ils ne m'ont pas vu. Attends, l'autre il passe quand? Il n'y a plus qu'à prier que je croise pas le mec qui a fait sa ronde autour de l'autre wagon. Eh, ni vu ni connu, hein. Attends, le mec il est en face, il me voit pas. Non mais c'est une blague. Ils ont vu mon mouvement. Presque parfait. Comme quoi, il y avait une petite phase infiltration, hein, qui était
Bon, bah, je crois que je peux fêter ma réussite. Happy birthday to you. Génial. Le train est en route. Je répète, le train est en route. Ça va chauffer sévère. Couvre-moi, man. Quoi? Il m'avait pas parlé de la deuxième partie du plan. Attends, je sais plus où est ma bagnole, moi. Wow. Le train est en route. Attends. Merde, je vois plus ma carte. Pourquoi la cible est mobile? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je prends la voie ferrée du coup. Attention! Wouh! Ça se coupe! Ça m'a secoué le cocotier! Oh, prendre le ride de nuit, c'est flippant. Alors, la carte, mon garçon. Tant pis, je reviendrai une autre fois pour les diamants. Hein. Mais au moins, la mission. Oh oh! Je me suis fait repérer. C'est pas conduire l'abruti, vous avez vu derrière, il fait des zigzags. Il est pas prêt de me rattraper s'il fait ça tout le temps. Par contre, moi j'ai une planque pas loin et j'aimerais bien y aller. Avec un peu de chance, le guignolo aura perdu ma trace. Ouais, exactement. Alors, il faut pas que je traîne parce que mon pote m'attend en fait. C'est la deuxième partie de la mission, mais là, je m'y attendais pas vraiment. Bon, on va changer de couleur, avec un peu de chance, ça comptera pour la diversion. Alors, où est-ce qu'il est parti? Attends, je rejoins la voie ferrée, au moins je saurai où est-ce que je vais. Allez, chouchou, le faux train, c'est moi. Aïe! Ah! Le châssis de la voiture a pas aimé que je monte sur le rail. Alors, non, je vais peut-être aller sur le côté, là. J'ai pas envie de m'embarquer dans l'installation où il y aura du monde qui va me sniper. Tant pis, ce sera pour une prochaine, les diamants. Je pourrais presque faire un épisode quasiment chasse aux diamants. Bon, il y aura un peu d'action quand même, mais... ça va. Wow! Mais... Oh, je lui ai roulé dessus! Mais quel idiot! Oh! Le pauvre! Du coup, je peux plus circuler. Oh, il était beau. Il avait de beaux yeux. Mais quel nigo! Oh! Bon. Surtout, ne dites rien à Brigitte Bardot. Ça parle mal. Non, je lui donne raison en plus pour à ce niveau-là. Enfin bon, bref. Oh la jolie lune. Pardon. Attends. C'est par où la fête, comme dirait Nayonet. Quoi? Ah merde, mon pote il est en amont. Attends, bouge pas mec, j'arrive, je te rejoins, qu'est-ce qu'il y a? Attends. Putain, mais il est fou. Joli, ça va? C'est bon? Quel merdier, je t'en dois une fière. Je vais bien maintenant, besoin de babysitter. Allez, vas-y, je sais que t'as des trucs à faire, je te verrai plus tard chez Maïs. Ok. Eh ben dis donc, ça traînait pas, mon gars. Wow. Y'a vraiment plus personne? Bizarre.
Ah, si seulement il y avait pu y avoir une mallette de diamants, mais... Dans les endroits où je peux me poser un peu, il n'y a plus rien. D'ailleurs, ce qui ne m'interdit pas de... Vous savez, de revenir sur la... La mission précédente, là, avec la citerne à faire péter. Et puis cette fois-ci, je m'y rends en mode... pas forcément Rambo, mais récolte de diamants. Je crois qu'on va se faire ça. Et puis là, je rendrai mon antenne. Donc du coup, pas de clip, parce que je vais redémarrer mon ordi, puisque mon USB est fait suer. Oh la vache, livraison de matos militaire, il y a la Jeep dessus, carrément. Il y a vraiment pas de diamants. Oh, je suis tristesse. C'est bizarre, j'ai un symbole diamant là-bas sur la carte. Attends, je vais y aller à pied. Je repense aux copains mercenaires, j'ai pas besoin de babysitter. La rigolade. La rigolade. Ah, en fait, je note sur la carte les endroits où j'ai déjà récolté un diamant, c'est ça? Ah oui, ok. Ok, ok. Attends. Ah non, c'est les étoiles que je vois au sommet de la... Je fais face à une planque. J'en suis où? Mais non, mais je suis armé jusqu'aux dents. Eh, je peux retourner comme ça, là. À la gare, on va dire. Au dépôt des trains, là. Qu'est-ce que je fais? Je leur configure le véhicule là, mais quand je vais sauter du train, je vais me... Non, bon. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. Oh la vache, il y en avait du monde. Mais il est arrivé par le désert? Il a donné un assaut de fou furieux, le gars. Oh le bordel. Attends, je sais même plus où était mon véhicule. J'avais pas garé un véhicule, je vais pas me coltiner le chemin à pied quand même, si. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais en... j'avais, comment dire, embouti un zèbre. C'est vrai, je dois plaider coupable. Je l'avais déjà oublié. Ah! Le zèbre, entre guillemets, est parti. On va dire qu'il y a des lions qui l'ont bouffé. Et du coup, je peux réutiliser le véhicule. C'est beau, quand même. C'est la magie du démon. C'est la magie du démon de l'Afrique. Alors, du coup... Ah oui, il y avait un diamant, là, aussi. Oh là! Oula! Voilà. Attends, sa position, elle est trop bien, mec. Il n'y a pas un trou dans la... Si. Attends, je me mets à genoux parce que sinon... Elle est trop bien, la position de snipe sur le silo. Il n'y a plus qu'à prier que ce soit pas un silo d'hydrocarbures, parce que le mec il tire une roquette, je suis mort. Alors là, l'explosion, c'est même pas la peine, ça fait un champignon atomique. Ah. Personne? Ça m'étonnerait. Il y a des diamants ici. Ah bah hein. J'ai vu sur la mallette. Ah. Hop là, lui il est mort. Ah! Lui aussi.
Faut... Je fasse gaffe de pas me faire avoir... J'ai pas rêvé, j'ai vu un mec. Que je fasse gaffe de pas me faire avoir à revers. Si un gars arrive à monter discretos dans mes escaliers et à me tirer une balle dans la nuque. J'ai souvenir dans des parties précédentes absolument haletantes que ça m'était déjà arrivé. Il faut vraiment pas sous-estimer l'adversaire, c'est pas des idiots. Il y a plein de petites bonbonnes de gaz. Je pourrais me mettre le feu un peu partout. Là, j'en ai 3 vues. Plus la jaune verticale, ça fait 4. Non, je pense qu'il n'y a plus grand monde. Je vais prendre le risque d'y aller. Peinard, pépouze. Bon, bah, je sauvegarde rapidement. Mais... Alors, la question est, comment je monte sur le toit du train? Oh, ne me dis pas qu'il faille faire un saut. Non. Attends. Ah non, il y a un accès. Non, non. Attends. Ah si, merde, il y a un mec là-bas. Eh oh, tu m'as oublié, Gort. On se connaît pas. On sert à rien ici. Si quelqu'un a lancé une attaque là-bas, il a des alliés qui vont lancer une attaque ici. Quoi? Non, je suis pas un Bambi. Ici, il n'y a pas des bambinos. Ça parle mal. Oh, oh. Oh! Merde, s'il tire sur la... Oh! Je t'avais pas vu, toi. Ah bah. C'est cadeau. In the ghetto. De Navigetto. Et Papi Navigetto. Oh oui. Oh oui. Eh, hey, ils sont nombreux. L'autre, il était par là-bas. Oh. Ah bah, j'ai sous-estimé. Excusez-moi du peu, mais ils étaient encore nombreux. En fait, ils étaient en alerte, ils étaient planqués. Bon, bah, je suis zéro pointé en repérage, moi. Du coup, je vais remonter sur ma tour de guet, là, parce que... Je vais peut-être faire un petit barbuck, ça parle mal. Mais la diversion par le feu, c'est pas comme si on était de nuit maintenant. Tiens, toi d'abord. Ah! Oh! Oh, la fusée! Oh, ça a foutu le feu partout! Oh, le camion. Vache. Il étale pas plus que ça, visiblement. Je sais pas, on va voir si par là-bas il y avait... Ah, oh, c'est bien, ça flambe bien. Non, c'est pas un mec. Y a pas de mouvement? Ça m'étonne. Là non plus? Tant qu'à faire. Hein. Boum. Merci. Oh, l'autre, la fusée, c'était dingue. Elle a mis le feu sur une sacrée distance quand même. Oh, il a aussi. Ah, oh, c'est joli. Boum. Bon, bah, je crois que j'ai plus de joujou. Il n'y a plus de bidon d'explosifs dans le secteur. Alors la malle, comment je fais pour l'atteindre? Il faut que je saute depuis l'autre... Sérieux?
Là, pour le coup, elle se fait désirer, la malle au diamant. Mince! Oh! Si je loupe l'escalier, ça va pas m'aider. Mais non, mais c'est pas possible, je peux pas faire un tel saut. Apparemment, j'ai tellement mis de grabuge qu'il n'y a plus personne. Attends, mais comment je fais pour monter sur la... sur le wagon? Quoi? C'est moi ou il y a une balle qui a... Je deviens parano, là. Y a pas une échelle pour monter au wagon? Ah si, attends. Non, je peux pas? Ah non. Ouais, je devine aussi qu'il y a des choses à récolter, mais... Alors là, je sèche pour le... Pour la mallette, je peux pas monter sur les bidons. Mais non. Non, puis c'est un bidon d'explosifs, je te dis pas le risque. Merde alors. À part. Mais non, je peux que sauter depuis la... Mais je suis loin, c'est ça que je comprends pas. Je la sens pas. Je vais essayer, mais je la sens pas. Ah si, c'est ça. D'accord. Bon, bah, voilà. Un diamant. Oh, c'est dégueulasse. Oh, franchement, ils auraient pu en donner trois. Attends, c'est quoi que j'ai vu bouger? C'était un animal ou c'était un mec? Je suis fou. Ah oui, c'était un mec. Laisse-moi t'allumer, laisse-moi. Bah, il est où? Ah, il est là-bas. Oh la vache, il court vite. Coucou! Je suis là! Ah! Merde, allons-y alors! Reste à ton poste! Tu veux te faire disparaître? Ah, il y a un gars là. Ah, il y en a un autre là-bas. Ah, merde. Alors, ils sont plus nombreux que... Oh, mais c'est pas croyable. Avec les tonneaux d'explosifs dans leur secteur, ça vaudrait presque le coup que je balance une grenade. Oui, mais là, arrête de faire ton ego, toi. Ici, j'ai entendu quelque chose. Oui, mais tu m'étonnes, je t'ai vu. C'est bon, on peut rien faire d'ici. Ouais, ils attaquent. Quoi? Il y a un gars dans la baraque? Je suis là! Coucou! Mais quel idiot! Non, pas le tout! Grenade! Là! Là! Tout de suite! Quoi? Attends, pas toi. Parce que d'avoir vu le truc bouger là-bas, je me pose des questions. Oui, oui, oui. Attends, c'était quoi? Je me demandais si c'était pas un mec qui avait bougé. Ah, il y a un truc qui a pété. Ah, merde, je suis allumé. Ah, il m'a eu.
Non. Aïe, je suis brûlé. Oula. Je t'ai vu. Mais c'est vrai. Coriace le gars. Je te vois. Tiens, cours. Cours, Forest. C'est horrible. C'est horriblement efficace. Ouais, il me faudra une autre pharmacie. Une autre trousse. Bon, il y a encore des loustiques à l'intérieur du bâtiment, apparemment. C'est ça? Ou pas? Ah. Ou alors ils ont déserté. Ah, c'est bien, il y a une pharmacie en haut. Et il faudra que je pointe ma carte. Géographiquement parlant, si j'ai bien tous les repères. Quoi? Non. J'ai cru qu'il y avait du mouvement, mais non. Non, visiblement, j'ai tous les repères. Il y a bien la pharmacie d'indiquer, là. Bizarre. Ouch. J'arrive à faire du foot avec les restants de tonneaux explosés. Ah! La bonne blague. Merde, j'ai loupé. Con. Excusez-moi. Ah, oh, cible mouvante, hein, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. On sait bien, je me suis fait livrer un véhicule, ça fait plaisir. Toujours ça de prix. Ouais, j'ai plus de munitions de snipe à nouveau. Et ça ne m'arrange pas. Oh, bonjour, petit Seb Live, c'est adorable. Au moment où je t'adore... je t'adorais. Oui, je t'adore toujours, mon cher petit Seb Live. J'espère que tu vas bien, bonjour. Non, au moment où je m'apprêtais à rendre l'antenne, je lui ai à mon tour... Ah bah voilà, elle est là, la caisse. Attends, est-ce que j'ai sur la carte? Ah bah oui. À faire un relais de chaîne. Là, il va falloir que je coupe mon ordi parce que j'ai plus de webcam, j'ai mon USB qui fait des caprices. Et autant dire que j'ai un faux départ au niveau de l'électronique de mon ordi, donc il va falloir que je le relance. Et le temps d'aller me restaurer peinard, je reprendrai mon antenne vers 14h. Oui, on s'arrête tous, oui, heure française pour la pause déjeuner, tu m'étonnes, surtout un dimanche. Ça va, t'étais sur quoi, brièvement, Re-Aeroster, t'étais sur quoi? C'est un relais de chaîne, merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus, Juste avant que tu fasses ta popote, mon cher petit Seb, je fais mon curieux, t'étais sur quoi? Alors, je présume que ton direct s'est bien passé. Mais parfois, vous avez des références de jeux que je connais pas et ça m'intrigue toujours. Je me permets de te demander, parce que comme j'ai pas lancé mon navigateur encore, je sais pas qui fait quoi, ou qui a fait quoi. Dark Devotion. Ah, je connais pas, tu vois. Donc rien que le fait de me donner le nom, ça va titiller ma curiosité et je me ferai une recherche rapidement. À voir sur, ne serait-ce que sur Wikipédia, à quoi ça correspond. Alors attendez, est-ce que je me suis refait? C'est un jeu avec un gameplay atypique. Ah.
Rien qu'avec cet argument, tu vends bien le jeu. C'est bien que ça se distingue un peu de la masse. Dans la galaxie énorme du jeu vidéo. Oh là là, tous les trucs à ramasser là. Oh là là, parmi les corps. Il y a fusil à pompe, il y a du 9 mm, il y a de la mitraillette. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cet épouvantable carnage. Bon, allez, je vais me prendre une bagnole et je vais me barrer. Mais ah ah ah, je dis ça et je me dirige vers la... Je dis ça en me dirigeant vers la carcasse de... De bagnole flambée. C'est un mélange de Metroidvania et de... Die and Retry Rogue Like... Oh la vache. Oui, c'est un concept... Ok, merci pour la description. Alors, attendez voir que j'essaye de choper le diamant et on s'arrête là pour aujourd'hui au niveau du Far Cry 2. La voie ferrée. Je veux remonter la voie ferrée en espérant que je me coltine pas de zèbre. C'était par là-bas que ça se passait. Attends, je sais plus. Mais non. C'était de l'autre côté. Oh là 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 là, mais je me gourre. Mais je suis nul. Oh. J'arrive pas à me repérer. Non. C'était la direction opposée. Voilà, je m'étais arrêté justement pour les diamants, là. Ah bah tiens, c'est mon ancien véhicule. Ah, la bonne blague. C'est à l'autre dépôt de train que j'avais des diamants qui m'attendaient. Et une fois que je serai en possession des diamants, je sauvegarderai et je m'arrêterai là. Parce que le gain est important et ce serait dommage de fermer les yeux sur... sur une mallette qui, j'espère, sera généreuse en diamants. Si je pouvais en avoir 3 en un coup, ça me ferait plaisir. Ouais, merci, petit Seb Live. C'est adorable. En vrai, la surprise a été très bonne. Ah, j'ai jeté un petit coup d'œil, ne serait-ce qu'à ta rediffusion dans les prochaines heures, petit Seb Live. Merci encore pour ton relais de chaîne. Bon appât à toi. Alors, je devrais avoir un comité d'accueil. J'ai envie de dire dans la logique vidéoludique. Ah bah. Je me la joue pro depuis les sommets, ce serait bien. Ce serait bien. Que je puisse joyeusement les sniper, les Mickey. Ça devient intéressant, mais... Ah non, j'ai un mur invisible. Oh, non. Bon, là, j'avoue, j'abuse. C'est du saut de mur, wall jump. Mais encore que là, je suis pas mal. Oh, si je pouvais être en position centrale pour le snipe. Ah bah voilà. N'allez plus haut, n'allez plus haut. Digue, 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 dou. Oh, magnifique. Position de rêve pour un... Alors, repérage. Pour un sniper, alors il y a 8... Oh, il y a du peuple. Merde. Alors là, par contre, la végétation va pas m'aider. La végétation va pas m'aider. Oh là là. Est-ce qu'il détecte d'ici la mallette? Non. Et pourtant, il y a du diamant là-dedans. On l'a vu quand j'avais fait mon infiltration. Oh, le peuple. Si je m'amuse à dégommer en premier. Ceux qui sont le plus lointains, peut-être. Oh, la vache. Hop, lui, je l'ai eu. Lui, je l'ai de deux.
Attention, faut que je fasse gaffe parce qu'ils viennent pas vers moi. Merde, ils m'ont repéré. Forcément. Ah, il y en a un qui essaye de me... Merde! Non! Tant pis. Voilà, merci. Bon, bah là, ils m'ont vu avec un tel truc. Ils m'ont forcément vu. Alors, où est le mec qui essaye de me snapper? Il est où le snipe? Il est là-bas? Ah oui, il est là-bas. Wow! Snipe contre snipe. Merde, mais... Yeah. L'arme devrait pas être coincée. Ah, c'est... ce serait pas mon arme d'origine. Oh, je suis choqué. Je crois que j'ai eu mon rival sniper. Merde. Alors là, ça craint du boudin. Vite, grenade. J'espère que j'ai eu le gars. Je suis sûr de rien. Le problème, c'est que j'ai pas de confirmation. J'ai même pas entendu de gémissement. C'est quoi? C'est une cible là-bas? Procurer le poteau. Attends, je passe en arme courte distance parce que. Courte portée, parce que le mec est peut-être encore là. Je l'ai eu le gars ou il est. Ah non, j'ai pas eu, il est là. Salopard. Ah, il essaie de me rejoindre. Bon. Bonne chose de faite. Je peux revenir en longue distance. Ouch. Bah, du coup, t'es là, je suis tranquille. Y'a plus de mouvement? Non. Sérieux? Petite diversion. Ah! Merde, la malaria qui fait suer. Oui, je sais, j'en ai plus, tant pis. J'irai me rechercher des médocs au prochain épisode. Il a survécu, ce salopard? Ouais, bien! Et je suis là! Salopard! Ah non! Ah, j'allais lancer mon cocktail Molotov! Mais je sais pas, il a eu un moment de... Peut-être... J'accepte le fait d'avoir été blessé, mais... Ah, pour moi, mon assaut était valable. Ah, merdoum. Parce que si je me la joue en mode ninja, ça va être vraiment balèze. Et le snipe, il est là-bas. Voilà, là j'ai eu le snipe. Finalement, c'est... Possiblement la meilleure chose à faire.
pas facile de nuit de valider les cibles en visuel. Lui il est mort. Oh la vache, il y en a du monde. Vache. Ah. Ouais, mais. Ouais, il est trop loin. Je suis pas sûr qu'il m'ait repéré. C'est quoi là-bas? Ah, c'est un véhicule. J'aimerais bien refaire diversion avec un incendie. Sauf que j'arrive pas à repérer d'ici les... Ah, peut-être ça. Oh, cool. Sauf que j'ai... Le sentiment que les flammes ne prennent pas. Oh, crotte, c'était un... Il était posé sur un endroit sec, sur du béton. Alors, toi, j'étais dans le viseur, mais je me vois pas appuyer sur la gâchette maintenant. Petit malin, t'es bien à couvert. J'aurais bien du mal à te débusquer. Et t'en es probablement conscient. Quoi? Je rêve ou il y en avait un qui avait la bougeotte comme mon coéquipier là? J'ai l'impression qu'il faisait un énorme gauche-droite, gauche-droite. Je suis surpris que personne m'attende au pied de mon rocher. Était-ce vraiment là l'avantage stratégique? Dégommer le sniper en premier. Bah merde alors, je l'ai pas touché. Mais c'est une blague. C'est une farce. Ah, merci. Faut que je fasse gaffe avec mes munitions, j'en ai pas 50 000. Ça m'a l'air bien... Je pense très honnêtement qu'il y a encore du peuple. Attends. J'ai vu un mouvement là ou j'ai rêvé? Non. Ouais, petit repérage. Si le jeu me l'accorde... Non mais arrêtez avec la malaria. J'ai repéré je sais pas quoi à travers la végétation. Allez, on va aller voir sur place. Et puis vie réelle, je vous avouerai que je commence à avoir faim. Pour qu'on se retrouve pas trop tard, je pense pour 14h. Il serait bon que je mette la main sur ma malle de diamant dans les 5 minutes qui suivent. Bah, ne me dis pas qu'il n'y a plus de diamant. Oh. Attends, je l'ai repéré ça avec mon... je prends du recul, il y a peut-être un mec qui peut mettre le grimpin dessus et me descendre. Ah. Le radar à diamant qui recommence à clignoter.
serait dans un des wagons. Attends, c'est un mec là? Mais oui, c'est un mec. Non mais c'est une blague. Ah. Je te vois. Merde, j'ai loupé. Mais... Ah, ils sont combien les gars? Oh non! Pourquoi était-ce la machette? J'aurais eu le lance-flamme, j'aurais eu le temps de l'allumer. En même temps, je pense que par réflexe, il aurait eu le temps d'appuyer sur sa gâchette aussi, c'est vrai. Ah! Encore 4 mecs, la vache! Ah bah tiens, on le voit bouger. Il faudrait que je change ma position de snipe. Ça m'aiderait grandement. Comment, je sais pas. Essayer, mais le jeu veut pas. Ouais, non, c'est pas. On est d'accord que c'est pas le diamant. Hein. Ouais, ça clignote pas de manière folle non plus. Attends. Est-ce que je peux pas les prendre à revers? Merde, ça, c'est un tonneau déjà explosé. Ça, ça peut être drôle. Oh merde, il y en a un là. Ok, Zen. Ah, il y en a un là. Oula, je vois rien avec la végétation. Putain, allez, je t'ai vu. Dis rien et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde. Allez, connard, te dégonfle pas. Viens rejoindre ton créateur. Tu peux t'en sortir comme ça? Encore. Quoi? Ah merde. Ah! Enfer et damnation. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Je veux mon diamant, je veux nettoyer la zone. Allez, je t'ai vu. Y'a rien et je vais m'occuper de ton cas. Viens ici, sale merde. Allez, ça parle mal. Viens rejoindre ton créateur. Je suis là. Bon, bref. Ah, le mec était derrière moi. Ça c'est cool. Oh la vache, l'installation elle est énorme, hein, on pense. Là y'a rien. Ah, un petit cadeau pour la route. C'est quoi ça? Ah, j'en ai déjà. Ah bah d'ailleurs du monde ici. Coucou. Non? Sérieux? Ah. C'est sympa d'avoir un camion. Ah. Oh, j'ai à bout, je vais finir par y arriver à bout là. Ah, je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors attends. Le mec. Ah oui, il m'attendait là. Attention, il y a un tonneau d'explosifs, alors si ça pète. Ah oui. Quelle horreur! Tu m'étonnes que tu me vois. Il doit y avoir encore 2-3 mecs à droite à gauche. Surprenant que le tonneau n'ait pas explosé. Une espèce de baril d'essence là. Bloqueur dégagé! Faites gaffe! Ça veut dire que quelqu'un l'a allumé!
Ah. Merde! Il a bougé ce con. Ils ont lancé une attaque. Attends, c'était derrière moi ça? Oh, ils sont proches. J'aime bien les dialogues. D'accord, ils sont super chauds. Ok. Vu comme ça, je comprends mieux. Bien vu. Ah, et c'était la position du snipe. D'accord. Tu m'étonnes que c'est une place de choix. Et les diamants, ils seraient où? Ah merde, il est là, lui. Bah alors? Mais il fait quoi, là? Oh merde. Oh non! Mais c'est pas possible! Ah la vache! Eh, hey, il est vraiment dur à prendre d'assaut, le... Enfin, de la zone, on va appeler ça la zone. Ah, je m'attendais pas à avoir autant de résistance. Sympa ça. D'ailleurs, pour faire diversion, pardon, mais c'est trop tentant. Alors du coup, il y a du mouvement ou pas ? La bonne blague. Alors celle-là, elle est pas mal. Je m'attendais pas à abattre un mec à la verticale. Bon, le compte n'y est pas. Je sais qu'il y a encore un autre Gugus. Mais il est où? Il y en a un deuxième qui a envie, mais où est-ce qu'il est? Ah, le v'là. Ok. Oh, j'ai la malle de diamant qui est toute proche. Qu'est-ce qu'il fait? Il me contourne? Il fait quoi, le gars? Je m'amuse à le mettre en panique ou... Oh, si je tire sur la grosse citerne, ça va faire un énorme boom. Oh, j'ai envie de faire mes muses. Le gars doit être planqué dans le... là-dedans. Non, je l'ai eu! Je l'aurais eu à l'aveugle! C'est énorme! Ah bah elle est bonne celle-là! Bon bah cool! Ah là là! Comment qu'ils l'ont planqué? Ah mais attends, mais faut que je puisse l'atteindre! Je fais comment pour me laisser tomber sur le wagon? Ah comme ça!
D'accord. Non, pas d'accord. Oh, la lune, elle est magnifique. Sur le côté. Oh, la vache. Les subterfuges pour un diamant. Non, mais vous êtes des escrocs, les enfants. J'en voulais trois, moi. Oh là 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 là, cette déception. J'en reviens pas. Je vais aller voir le mec que j'ai zigouillé en balançant une grenade au pifomètre. Non. Attends. C'est tombé de là, je crois. Attends, il était où le trou sur le toit? Il était là. Ouais. Donc ma grenade, elle est tombée là. Ok. D'accord. Le Nigo s'est mis là. Attends, mais où est son corps? Enfin, apparemment, il en reste plus. Ah, plus de corps. Le gars, il a giclé, mais grave, quoi. Ah oui, c'est mon dernier truc de malaria. Oui, ça, c'est la mort. Ça, ça sent pas bon. Je crois qu'il faille... Enfin, je me souvienne qu'il faille aller dans l'église à Pala, la ville principale au centre de la carte, voir le curé à l'église. Je crois que c'est lui qui donne les médocs. Eh ben, j'irai me barrer en camion. J'irai me barrer en camion la prochaine fois. Et ça, on est d'accord, ça pète. Ah oui, ça pète. C'est horrible. Ça va péter. Ah. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je fais des âneries. On va aller voir sur... sur Twitch à qui je peux faire relais de chaîne. Et puis, je vous rejoindrai. Pour le coup, plus 14h, le temps que je cuise une pizza et je la mange, ce serait plus à 14h15 que je vais revenir, pour ceux que ça intéresse. Je reviendrai très probablement sur du Sonic Mania. Alors, j'ai pas l'air idiot parce que... Attendez, je vais même vous mettre le tableau mystère exceptionnellement en image. Bah, du coup, le tableau mystère, on fera le point ce soir à 20h, comme je suis là au final. À qui je pourrais faire un relais de chaîne. Alors, merci à Petit Seb Live qui m'a fait lui-même relais il y a une demi-heure, c'est adorable. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Et... Ouah, c'est le bazar. C'est le... Ah bah, Torota, il est en ligne. Ah bah, il fait du marble. On va aller voir Torota. Torota, il fait du marble. Oh, on va faire un petit peu les bébés avec lui. Torota. Les bébés. Ah, je veux bien faire des bébés en même temps que la pizzouille. Allez, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Moi, je vous dis rendez-vous dans une heure environ. On fait chez Torota. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Bisous. Bienvenue aux viewers, bonjour tout le monde, bonjour Torota, bonjour le singe, bonjour les raiders. Bienvenue. Installez-vous.